Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième webinaire des entraîneurs de squash sur le thème de la gestion des émotions. Aujourd'hui, donc, nous avons cinq intervenants qui vont participer avec nous à ce partage d'expériences et à ces échanges. Nous avons Mathieu Benoît qui est préparateur mental et coach mental, notamment de Grégory Gauthier. Christophe Carouget qui est entraîneur fédéral du Pôle Espoir de Guyane. Yann Ménégaud, entraîneur national junior du Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Laurent Meyer du Squash Saint-Gym et Malcolm Tunis, entraîneur fédéral adjoint du Pôle France de Créteil. Le sommaire, six questions aujourd'hui. Donc, on va essayer de tenter de décortiquer ce que c'est qu'une émotion. Donc, c'est quoi une émotion? Pensez-vous que les émotions sont naturelles et qu'on ne peut rien y changer? Pourquoi? Pour agir avec discernement, l'athlète doit-il maîtriser ses émotions? Performance et émotions font-ils bon ménage? Comment se servir de ces émotions pour être performant? Et enfin, que mettez-vous en place concrètement avec les joueurs pour leur apprendre à gérer leurs émotions? Donc, comme je vous ai dit, cinq participants à ce webinaire. Alors, je vais donner la parole à notre préparateur mental pour aborder cette première question. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion, Mathieu Benoît? Bonjour à tous. Alors une émotion, c'est un état déjà dans lequel on est qui est conscientisé, c'est-à-dire qu'en fait on a souvent conscience d'avoir peur ou et il arrive de c'est un état qui arrive de manière momentanée, très brusquement, et qui a un impact directement sur notre comportement. Alors là, pour le coup, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'il peut modifier nos réactions physiologiques, ça peut modifier le cognitif, ça peut modifier toute notre humeur, notre capacité à se mettre en mouvement. En fait, ça a un impact direct sur notre comportement au sens large du terme. Donc en fait, les émotions, moi je vais revenir un petit peu sur l'origine du mot émotion, c'est-à-dire que l'origine du mot émotion, sur le plan étymologique, ça veut dire mise en mouvement. Motion, c'est le mouvement et c'est la mise en mouvement. Et en fait, à la base, les émotions, si elles existent, c'est qu'elles sont là pour nous rendre service. Elles ont un impact sur nous, pas forcément ni négatif ni positif, c'est-à-dire que parfois elles sont inconfortables, parfois elles sont confortables, parfois ça nous amène du plaisir et parfois ça nous amène des plaisirs, et que en fait ces émotions-là, elles sont quasiment permanentes chez nous et elles sont naturelles et elles ont un impact sur la capacité à nous mettre en mouvement, c'est-à-dire qu'en fait une émotion, ça nous fait bouger à la base. Ce qui pose souci chez nous par rapport aux émotions, c'est que la plupart du temps, on s'est déconnecté très tôt, très jeune, à l'âge de 6 ans à peu près, de nos émotions, parce que d'avoir des émotions, d'exprimer des émotions, ça dérange un petit peu. Jusqu'à l'âge de... Enfin, on va dire qu'un enfant, lui, il est capable de passer de la peur à la colère à la joie en l'espace de 2 secondes, de l'exprimer. Et du coup, quand il arrive à peu près à l'âge de 6 ans, on lui demande de réfréner ses émotions parce que d'avoir peur, bah, c'était pas très fort. La colère, c'est pas bien. La tristesse, c'est dépressif. Et voilà. Et donc, petit à petit, nous, on s'est déconnecté de nos émotions parce que socialement, ça pose un souci. Alors qu'en fait, les émotions, elles sont là pour nous rendre service, pour nous dire quelque chose. Alors des émotions, il y en a pas mal. Il y en a. Enfin, moi, je travaille plutôt avec les quatre émotions primaires, hein, qui sont la tristesse, la colère, la peur et la joie, que tout le monde connaît. Et donc, on est souvent dans des états comme ça, de peur, de stress, de colère, de joie, à différents types d'intensité, en fonction de notre environnement, parce qu'en fait, c'est notre environnement qui va avoir tendance à nous mettre en émotion, à nous mettre dans cet état d'émotion. Et donc, c'est clair, pour en revenir au sport, ça impacte directement l'athlète. Pourquoi? Parce que les émotions, elles sont hyper présentes en sport et qui plus est en sport de compétition.
en opposition, il y a de la compétitivité, il y a de la combativité. Et donc, automatiquement, ça crée de l'émotion. Donc, ça a un impact direct sur la capacité de l'athlète, en fait, à performer. Merci, Mathieu. Voilà. Malcolm, tu voulais compléter un peu cette définition des émotions. Je te donne la parole. Oui, bah oui, bonjour. Oui, non, moi c'est pour compléter un peu ce que disait Mathieu. Où je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, et que ces émotions, elles sont à la base, comme il a dit, de nos réactions, qu'elles soient comportementales, qu'elles soient motrices ou qu'elles soient physiologiques, que ce soit voilà, dans les réactions comportementales, par exemple dans le sport, quelle va être notre réaction, est-ce qu'on va plutôt être agité, est-ce qu'on va plutôt avoir une réaction de fuite ou une réaction agressive par rapport au stimulus auquel on est confronté sur le court, en situation de match ou à l'entraînement. Au niveau physiologique, comment on réagit, est-ce qu'on a le pouls qui s'accélère, est-ce qu'on commence à avoir des palpitations, des choses comme ça. Donc toutes ces émotions-là, elles sont à la base de ces réactions. Et elles ont leur rôle, elles ont un rôle important en fait également dans tout l'apprentissage en fait, hein, dans la capacité à mémoriser, la capacité d'attention et le fait de retenir des informations. Effectivement, on retient les choses différemment si on est plutôt joyeux qu'on est triste. Donc voilà en fait ce qu'elles sont, bah, c'est peut-être compliqué, mais le rôle qu'elles ont, savoir qu'elles sont à la base. Qu'elles sont à la base de nos réactions et qu'elles ont un rôle important dans l'apprentissage, ça c'est déterminant, et qu'elles contrôlent l'attention. Voilà, pour moi c'était ça aussi d'important d'entrer dans la définition des émotions, c'est qu'elles sont à la base du contrôle de l'attention, et que ça en tant qu'éducateur, bah, c'est quelque chose important à savoir pour appréhender l'enseignement de notre discipline avec les différents publics. Merci Malcolm. Laurent, tu voulais compléter effectivement toi aussi cette définition. Oui, tout à fait. À travers mon parcours d'entraîneur, donc, j'ai eu besoin à un moment donné de suivre une psychothérapie et ça a été en Gestalt. Gestalt, ça vient de l'allemand, c'est l'émotion. Et par la suite, donc, j'ai pu découvrir l'analyse biotransactionnelle. C'est comment, à partir de l'émotion, comment je vais l'exprimer, à quoi va me servir. Et donc, ça m'a permis de faire des transferts dans mon enseignement. Et j'ajouterais par rapport à ce qu'a dit Mathieu, donc au niveau des émotions, j'ajouterais la honte, ce sentiment de honte que je peux avoir. Et par rapport à ce qu'a dit Malcolm, c'est effectivement au niveau des grandes réactions qu'on peut avoir par rapport à une émotion. On peut donc soit fuir, soit faire face, ou alors on peut être aussi dans un état de sidération, donc d'inhibition. Et donc j'ajouterais que pour moi, l'émotion, elle naît de la pensée du moment. Cette pensée est à relier avec un événement de l'enfance. Et donc pour comprendre cette émotion, et après pour savoir ce que j'en fais, c'est considérer que je ne suis plus l'enfant que j'étais, que j'ai des façons, d'autres armes pour m'exprimer différemment, et c'est comment effectivement enseigner tout cela aux enfants, et ce le plus tôt possible, afin de constituer des athlètes avec une dimension mentale très forte. Merci Laurent. Yann, Christophe, vous avez des éléments à ajouter par rapport à la définition de l'émotion, ou on passe à la question suivante? Donc, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, pensez-vous que les émotions sont naturelles et que rien ne peut y changer, et pourquoi? Donc, bah, je vais donner la parole à Yann sur le sujet. Yann, si tu veux bien prendre la parole. Oui, moi, je pense que les émotions, elles sont naturelles, elles sont innées, elles sont en nous, hein, comme il l'a dit Mathieu, les quatre émotions primaires, elles sont là. Après, on peut aller voir, il y en a qui disent 4, 5, 6. Voilà, en tout cas, on est avec ce bagage émotionnel en nous. Très souvent, même, il est construit, pour l'avoir lu il n'y a pas très longtemps, dans le ventre de la mère, tout ça. Ça se transfère, c'est,
la charge émotionnelle, très souvent, on voit dès la naissance, on nous dit très souvent d'aller voir, faire des échanges, pas avec des psychologues, mais avec des manipulateurs sur les charges émotionnelles des enfants transférées lors de la grossesse de la maman, etc. Donc, pour moi, oui, on est complètement avec ces émotions. Après, elles sont naturelles, mais après, elles sont évolutives et on peut les, il faut les, essayer de les appréhender dès le plus jeune âge en y donnant justement des explications aux enfants. Comme l'a dit Mathieu, effectivement, ces émotions, quand on est petit, on les exprime très clairement. Elles viennent comme ça, elles changent très rapidement. On peut être hyper joyeux et puis deux secondes après, être en train de pleurer parce que l'enfant a été... comment dire, bah, tout simplement se coincer les doigts comme ça arrive très souvent dans une porte, voilà, donc il passe de la joie aux pleurs. Il faut, au lieu de, d'aller vers cette façon d'être qui est de dire à l'enfant de se retenir ou d'arrêter d'exprimer ses émotions, de plutôt aller le questionner sur le pourquoi de cette émotion, comment elle est arrivée, pour qu'il apprenne justement à, la, à l'identifier. De par, comme l'a dit Malcolm, dans son ressenti physiologique, kinesthésique, dans tout ce qui est stimulus, dans tout ce qui va induire cette émotion, voilà, et pour qu'après, derrière, il puisse l'identifier et entraîner des comportements et des réactions adaptées, cohérentes, face aux situations dans lesquelles il se trouvera. Voilà. Merci Yann. Christophe, je te donne la parole pour cette même question. Donc, les émotions sont-ils naturelles et est-ce qu'on peut rien y changer et pourquoi ? Donc oui, moi je pense que les émotions sont naturelles aussi et elles sont différentes chez chaque individu. En fonction du transfert qu'il peut y avoir dans le ventre de la maman, comme a dit Yann, mais aussi en fonction de son vécu propre et d'éducation, je pense aussi des... Que l'enfant reçoit ou que l'on a reçu. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que les émotions, on en a toutes, mais elles sont toutes différentes en fonction de chaque personne. Et en l'occurrence, pour le squash, ça sera en fonction de chaque joueur et chaque jeune qu'on va avoir en face de nous. Le suite de la question, c'était pourquoi aussi. Je pense que ces émotions, oui, elles peuvent être canalisées par le biais d'un travail. Ça peut être, comme l'a dit Laurent, par le biais d'une psychothérapie. Plutôt dans le sport, on va parler de prépa mentale, parler avec un coach mental pour nous aider à mieux gérer le stress, à mieux gérer les frustrations. Ça peut être aussi de la sophrologie, du yoga. Enfin, après, il y a plusieurs types de ce qu'il faut arriver à trouver. C'est ce qui convient à l'athlète, au joueur. Il faut essayer d'aller dans le sens de ce qui est bien pour le joueur, en fait. Voilà. Merci Mathieu, tu voulais aussi compléter la réponse à cette question. Je voulais rebondir un petit peu là-dessus, sur le fait qu'en fait, on parle de gestion des émotions, mais moi je préfère parler en fait, de gestion de nos réactions aux émotions. Parce qu'en fait, les émotions, l'émotion, en fait, elle arrive, elle tombe dessus. En fait. Tu ne maîtrises pas forcément le moment où la peur, elle arrive. Où la colère elle arrive, je vais parler du squash par exemple, hein. Tu rentres sur un tournoi ou une compétition qui a de l'importance, un match où tu sais que ça va être compliqué, etc. T'as en fait la sensation de peur, elle est là en fait. Ce que tu maîtrises toi, ce qu'il faut apprendre à gérer, c'est ton comportement vis-à-vis de cette sensation de peur. Qu'est-ce que tu mets derrière la peur ? En fait, il faut ou alors la colère par exemple, hein, il y a des athlètes qui se retrouvent en situation de colère sur le court parce qu'il y a une injustice ou voilà et qu'en fait la colère, ils vont pas gérer la colère, elle est arrivée, c'est complètement naturel, ça fait partie de nous, et cette colère, si elle arrive, c'est qu'elle correspond bien à quelque chose en fait. Et donc moi je travaille beaucoup avec les athlètes pour leur expliquer ce qu'est une émotion et en fait à quoi elle sert. Je vous disais tout à l'heure que sur le plan étymologique, l'émotion, ça veut dire mettre en mouvement. Et on parle du cycle des émotions, qui est en fait un cycle qui nous permet d'avancer dans la vie grâce aux émotions. C'est-à-dire que la première émotion de base qui va nous mettre en mouvement, c'est la tristesse. C'est-à-dire qu'on est, on est triste de notre sort, on n'est pas assouvi, on n'est pas
Il y a quelque chose qui nous manque dans notre vie, en règle générale, hein, sur le sens large, hein, ça peut être la vie du squasheur, ça peut être notre vie en général, on est triste de ça, et que cette tristesse, à un moment donné, si on ne l'écoute pas, on va rester planté sur notre tristesse, et après on va dire qu'on est dépressif parce qu'on fait tout le temps la gueule, parce qu'on n'est jamais content, etc. Si on ne se met pas en mouvement à travers cette émotion de tristesse, on va rester là, alors qu'on a le droit d'être triste, vu qu'on ne le maîtrise pas. D'accord ? Donc, c'est aussi d'avoir le droit d'avoir peur, avoir le droit d'être en colère, avoir le droit d'être triste, et donc d'aller chercher le message qu'il y a derrière ça. C'est pour ça que Yann disait qu'il fallait se connecter aux émotions. Et le dernier séminaire qu'on avait fait sur la dimension mentale, il avait parlé d'outils qu'il utilisait avec ses athlètes, qui étaient sûrement des roues d'auto-évaluation. Enfin, je ne me souviens plus, Yann, hein, mais tu réexpliqueras peut-être tout à l'heure pour que les athlètes soient capables de dire l'état émotionnel dans lequel ils sont quand ils reviennent de l'école et qu'ils arrivent à l'entraînement et qu'à l'école, il s'est passé des trucs qui les ont mis dans une charge émotionnelle particulière. Les émotions, il faut surtout pas mettre un mouchoir dessus en disant que c'est négatif pour la performance. On peut pas la changer, l'émotion. Par contre, nous, on peut s'adapter. On peut prendre un temps à un moment donné pour se poser et réfléchir à ça plutôt que d'avoir une réaction réflexe à l'émotion. Tout à l'heure, je crois que c'est Malcolm qui parlait de fuite ou d'attaque, ou Laurent, je ne sais plus. La fuite ou l'attaque ou la sidération, je crois que c'est Laurent qui disait ça, elle vient quand on a une réponse réflexe. C'est une réponse animale qui passe pas par notre cerveau conscient, qui passe plutôt par notre cerveau reptilien. Notre cerveau animal où en fait voilà on a la fuite ou l'attaque. Quand on est en sport, en compétition, on va dire, il vaut mieux éviter de réagir comme ça parce qu'en fait la qualité de la réponse, elle est jamais bien adaptée quand elle est de l'ordre du réflexe. De la fuite ou de l'attaque, c'est très primaire, c'est pas conscientisé. Il faut rester en contrôle, prendre un temps et rester en contrôle une fois qu'on a compris qu'on était face à une émotion. Merci Mathieu. Malcolm, tu voulais compléter un peu la réponse à cette question. Oui. C'est insister sur le côté, effectivement, pas des émotions, mais des réactions qu'elles produisent, en fait. Et c'est ça la clé, c'est ça qui est le plus important. Et en parlant, en fait, moi, à travers mon expérience, à travers forcément les écueils dans lesquels j'ai pu tomber avec les joueurs que j'entraîne, les jeunes. Mathieu parlait de cette réponse primaire à l'émotion. Nous, on peut en avoir aussi en tant qu'encadrant. Et combien de fois je me suis surpris à dire à un jeune, qu'il soit en match ou qu'il soit à l'entraînement, arrête de t'énerver, arrête de te mettre en colère. Et en fait, effectivement, je m'adresse à cette émotion et pas à son comportement et je ne lui donne pas d'outils pour qu'il arrive à l'exprimer. En fait. J'essaie juste de le réfréner. Je n'ai pas vraiment le droit de lui dire « arrête de te mettre en colère » s'il a envie de se mettre en colère. Mais qu'est-ce que je vais lui apporter comme outil pour qu'il arrive à l'exprimer dans un cadre, en fait. J'ai même envie de dire s'il a besoin de se mettre en colère. Exactement. Mais c'est vrai que souvent, ma première réaction, et ça peut arriver à tout le monde et c'est normal, ça va être d'aller droit sur l'émotion et de lui dire non, oui ou non. Souris ou arrête de pleurer, mais je ne m'adresse pas à comment il va la véhiculer, en fait. Et je ne l'autorise peut-être pas à l'exprimer, cette émotion. Et donc, en gros, c'est contre-productif et je ne sers pas à grand-chose dans ce moment-là. Et tout ça, c'est compliqué aussi pour nous, en tant qu'éducateurs. C'est comment s'adresser et comment s'adresser aux émotions du public qu'on encadre et effectivement, peut-être pas les laisser s'exprimer, mais nous, à nous de savoir les orienter, les canaliser à l'intérieur d'un cadre qui va avec notre discipline et qui permet d'être dans le respect des autres, de la discipline, du sport, de l'arbitre, de pouvoir communiquer, en fait, de pouvoir exprimer ses émotions avec des outils pour les communiquer de façon correcte. Et effectivement, il y a des fois où on communique une émotion de façon inappropriée. Effectivement, un gamin qui va insulter son partenaire, qui va jeter sa raquette. Voilà. Nous, on se braque contre l'émotion, mais c'est juste qu'il la communique mal. Mais nous, notre
peut-être c'est de lui donner les outils pour exprimer sa colère de façon convenable, en fait, à l'intérieur d'un cours de squash, à l'intérieur d'un, pendant une séance d'entraînement, en étant en collectif ou en étant en match. Dans un certain sens, d'être capable de gérer soi-même ses émotions en tant qu'éducateur pour pouvoir justement pas aller à l'encontre des émotions des autres. Laurent, tu voulais aussi répondre à cette question. Je te donne la main. Il y a Mathieu qui avait levé la main avant moi. Je t'ai pas entendu, pardon. Pardon, je disais, donc je te donne la main parce que tu n'avais pas encore répondu à cette question. Après, je redonnerai la parole à Mathieu. Ok, merci. Donc, pour moi, les émotions sont effectivement naturelles. Et il y a aussi un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire que par rapport à ce que pouvait dire Mathieu ou Malcolm, on peut apprendre à se libérer des émotions. On peut apprendre à les détecter. Donc, si on n'a pas l'habitude, on va le faire après coup. Et puis, à force de s'observer, et pour ça, il s'agit d'être le plus détendu possible, peut caractériser de plus en plus les émotions et donc de les analyser et de pouvoir décider à un moment donné de les suivre ou pas. Et effectivement, in fine, il s'agit, comme le dit Malcolm, d'avoir la réponse la plus adaptée possible à la situation. Effectivement, si je suis en colère, je ne vais pas insulter ni mon partenaire, ni l'arbitre, ni mon coach ou autre, et encore moins me battre, par exemple. Et donc, voilà, de mon expérience, je peux apprendre à me libérer de mes émotions. Merci, Laurent. Mathieu, donc à toi la parole maintenant. Tu voulais rebondir sur ce que disait Malcolm. Oui, je voulais vraiment appuyer ce que Malcolm disait sur un truc qui est très important, c'est le fait que, comme l'expression des émotions, et la plupart du temps, là, on parle des émotions qui peuvent être la colère, la peur ou la tristesse, pas les émotions qui paraissent plus ou moins, on va dire, positives ou confortables. Ces émotions-là, c'est pas forcément celles qui nous impactent, mais pour ce qui est de la colère ou de la peur, souvent, nous, en tant qu'accompagnants, ça nous pose un problème et tout de suite, on va, plutôt que d'écouter la personne en face et de comprendre qu'il a toutes les bonnes raisons d'être en colère, que c'est une réalité qu'il soit en colère, que souvent, on le coupe, arrête d'être en colère, mais faut pas avoir peur, mais sois pas triste. Alors que le mec est triste, le mec est en colère, le mec a peur, et nous, on se met devant lui, on dit, mais non, mais c'est pas vrai. On est qui pour dire que c'est pas vrai, qu'il a pas peur ou qu'il doit pas être en colère? Il le maîtrise pas. Enfin, le fait qu'il soit en colère, à ce moment-là, c'est un état qui est brusque et momentané qui arrive. Il ne peut plus le maîtriser. Il est arrivé. Après, ce qu'il faut, il faut l'accompagner et comprendre pourquoi il est en colère, lui dire que nous, on a bien compris qu'il était en colère, et l'accompagner, comme disait Laurent, dans le fait de... il faut plutôt avoir le choix de contrôler ta réaction par rapport à ça, en prenant un temps, le fait que tu te dises forcément, si je commence à gueuler sur l'arbitre, ou à gueuler sur l'autre joueur ou à faire un geste d'humeur, clairement, si ça passe par ton cerveau conscient, tu vas bien te rendre compte que ça va pas servir ta performance directe. Et donc c'est il faut vraiment être capable d'accompagner je vais parler des athlètes, hein, dans le fait de reconnaître leurs émotions. Un athlète qui arrive à l'entraînement et qui est en colère, on ne peut pas lui dire « arrête d'être en colère ». Il est en colère. C'est pourquoi tu es en colère, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et puis, on en parle. Et puis après, à ton avis, avec cette colère-là, est-ce que tu vas être capable de produire ce qu'on va te demander à ce moment-là ? C'est de le faire réfléchir, de le responsabiliser par rapport à ça, plutôt que de l'infantiliser en disant ben, « tu n'as pas le droit d'être en colère parce que si tu es en colère, tu ne vas pas bien faire ». Parce que quand on va être sur le terrain en compétition, en face, on connaît très bien des joueurs qui prennent un malin plaisir à mettre l'autre en colère en jouant sur la corde sensible
du bloc, de la balle doublée, du mec qui ne va pas annoncer, des arbitres compliqués. Hein, et donc, quand on rentre sur un terrain de squash, on est une bombe émotionnelle. On est dans un espace clos, sur le même terrain, en opposition directe, avec de la combativité, avec des athlètes en face qui, comportementalement, en dehors du fait qu'ils sont des squasheurs, vont avoir un impact sur nous. Et donc là, par contre, on est beaucoup plus exposé au squash que dans d'autres sports où il y a de la distance, où on n'est pas en vase clos, en fait. Hein, et on le sait bien, on a tous été joueurs, et on sait tous qu'en tant que joueur, on s'est retrouvé face à des émotions dingues, et même encore maintenant, hein. Moi, je joue, Christophe joue, Yann, Malcolm, voilà, on joue tous, et que, à notre petit niveau d'amateur, il y a des fois, on va se retrouver dans des situations où on est à ça de fissurer. On le sait. Nous, ça nous arrive, alors qu'on le maîtrise en théorie, tu vois. Donc, il faut aussi se mettre à la place des enfants ou de ceux qui ne maîtrisent pas forcément. C'est compliqué. Alors, écoutons-les. Merci, Mathieu. Prochaine question. Donc, pour agir avec discernement, l'athlète doit-il maîtriser ses émotions? Donc, ça va rejoindre certainement un petit peu les différentes pistes que vous avez commencé à aborder. Christophe, je vais te donner la parole pour cette question, pour commencer. Pour agir avec discernement, le joueur doit, c'est important que le joueur soit lucide pour être performant sur le court, faire le meilleur choix de coup à la situation donnée, jouer la balle dans le bon timing, choisir la bonne zone, etc. Et pour ça, il faut arriver à être lucide. Cette lucidité, elle peut être altérée par la fatigue physique, mais aussi et surtout par les émotions, énervement, frustration, euphorie, d'accord ? Parce qu'on peut très bien aussi être trop dans l'euphorie et du coup, sentir bien, avoir une émotion positive, mais du coup, jouer avec trop de relâchement et vouloir tenter des coups impossibles, enfin, des coups compliqués, en fait, qui ne sont plus adaptés à la situation. Donc oui, je pense qu'il faut arriver à agir avec discernement parce que sinon on n'arrive pas à avoir la réponse adaptée à la situation et donc, du coup, être performant sur le court. Merci. Laurent, je te donne la parole à ton tour par rapport à cette question. Donc, est-ce que pour agir avec discernement, l'athlète doit-il maîtriser ses émotions? Oui. Pour moi, il y a deux stades. Il y a le moment où on est dans l'émotion, on la caractérise et où on peut en faire quelque chose. Et deuxième stade, bon, plus subjectif, où là je suis emporté par l'émotion et là je décide plus rien et donc je suis dans une réaction complète et où je n'ai plus de discernement, j'ai plus de lucidité et donc voilà, il s'agit effectivement de maîtriser ses émotions afin de garder un contrôle de nos actions et de nos réactions. Merci. Mathieu, à ton tour cette question. Oui, bon, je vais compléter ce que les autres disent, hein, c'est-à-dire que il faut maîtriser l'état dans lequel l'émotion va nous mettre, en fait. C'est-à-dire que il faut toujours prendre un petit temps déjà il faut prendre conscience qu'on est dans un état émotionnel, c'est-à-dire prendre conscience qu'à ce moment-là, à ce moment-là, je suis sous emprise de la colère de manière non maîtrisée et que je commence à partir de manière inconsciente dans un comportement qui, de toute façon, ne sera pas adapté. Parce que, comme disait Christophe, le squash, ça nécessite du contrôle, de la maîtrise sur le plan physique, technico-tactique, psychomoteur, cognitif, etc. Et dès qu'on va être emprunt de ces émotions-là, en fait, ça va agir comme un stress. C'est-à-dire que c'est perturbant pour le corps, ça va venir modifier un petit peu notre fluidité dans la capacité qu'on a à produire notre performance.
et ça va venir enrayer un petit peu tout. L'idée, c'est effectivement de pas la réfréner, cette émotion, parce que si je me rends pas compte que là, je suis empreint de peur, de colère, ou comme très justement Christophe a dit, l'euphorie, plein de fois où, putain, on vient de faire deux coups de dingue, on prend le lead, on croit qu'on est le meilleur, on sort de la tactique, on fait n'importe quoi. Parce que on a aussi été imprégné de cette joie, de cette euphorie qui fait que on n'est plus là maintenant sur le cours, on est un peu parti ailleurs et qu'on n'est plus à même de produire ce qu'on travaille tous les jours à l'entraînement, ou en tout cas ce qu'on a mis en place avant. Mais avant toute chose, c'est prendre conscience qu'on est dans un état émotionnel qui va pas forcément nous rendre service si on se laisse emmener par lui. Merci Mathieu. Malcolm, tu voulais rebondir. C'est pour être dans le même sens en fait. Hein. C'est vrai que le côté maîtriser ses émotions, c'est vrai que c'est un peu dérangeant parce que comme ils l'ont dit, est-ce qu'on peut vraiment maîtriser ses émotions ? Je ressens, je suis en colère, je suis joyeux, je suis dans la joie, je suis dans la tristesse. Je le maîtrise pas. Ça m'arrive dessus, donc faut pas les réfréner, faut pas les mettre sous cloche. Par contre, peut-être apprendre petit à petit et aux athlètes à connaître les réactions qui sont liées à ces émotions. Comment je réagis quand j'ai peur, comment je réagis quand je suis dans l'euphorie. Voilà, concrètement, on a tous vu hein, des joueurs hein, qui peuvent mener être dans un match, avoir 6 balles de jeu, et puis d'un coup, il se passe plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans la peur. Je suis à 2 points, à 1 point de gagner le jeu. Et justement, l'euphorie, le fait de me sentir bien, ça peut avoir comme réaction que je suis plus agressif, que je propose plus, que j'ai plus de plan de jeu, que j'arrête de réfléchir, que je me gèle, quoi. C'est un peu pof, arrêt sur image et j'attends que ça passe. Et à la fin du jeu, le joueur il peut sortir et me dire mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprends pas. J'étais bien, je me sentais bien, et puis finalement j'ai perdu le jeu. Et en fait, c'est le fait qu'il se sente bien sur le court, pas de problème. Mais le comportement qui était associé, c'est ça le problème. Et ça, il faut qu'ils, petit à petit, en prennent conscience pour faire attention qu'il n'y a pas de problème à se sentir bien. C'est vas-y, éclate-toi, tu mènes, et ouais, tu as raison, tu es en confiance, tout ça, c'est très positif. Mais attention à ce que ça n'engendre pas un comportement qui devienne peut-être passif. Même chose si c'est la peur ou si c'est la tristesse, un comportement qui va être trop agressif. J'ai peur, donc je mets tout dans la balance, j'attaque tout de suite, je fais 5 fautes de suite. Voilà, avoir peur, c'est pas le problème. Par contre, c'est le comportement qui en résulte, qui t'a coûté ce jeu, qui t'a coûté ce point, qui t'a coûté ce match. Et ça, c'est comment t'aider à prendre conscience de ça. Alors, peut-être te regarder, te voir faire, analyser avec toi, revenir à froid, et petit à petit, essayer de mettre dégager des pistes de travail. Attention, tu dois avoir conscience effectivement de tes émotions, et par habitude, par entraînement, par répétition, par expérience, par accumulation d'échecs, parce que de toute façon, si tu ne te plantes pas, tu n'apprendras rien sur toi. Petit à petit, il y a peut-être un truc qui va s'allumer, qui va dire attention, quand j'ai peur, j'ai tendance à faire ça. Quand je suis bien, quand je suis en confiance, j'ai tendance à réagir et à agir comme ça. Et là, je peux peut-être essayer de changer un peu le curseur pour être dans quelque chose qui va être plus positif, ou en tout cas qui va me permettre d'être plus performant. Donc, si je résume un peu ce que vous avez dit, c'est pas particulièrement maîtriser l'émotion, mais plus prendre conscience ou identifier cette émotion, mais par contre maîtriser peut-être un peu plus les réactions qui sont liées à ces émotions. Laurent, est-ce que tu veux donc rebondir par rapport à ce sujet ? Oui, je voulais ajouter que au squash, ce qui est intéressant, c'est que c'est une activité à haute valeur énergétique. Et si je me vois dans une émotion telle que la colère, par exemple, ou la joie, l'euphorie, je peux utiliser une bonne frappe bien lourde pour exprimer cette émotion. Hein. Et on a cette chance dans le sport du squash de pouvoir effectivement utiliser le squash pour exprimer une certaine émotion à un certain moment. Voilà. Merci.
Yann, est-ce que tu voulais rebondir sur cette question de ton côté ou Non, mais je reviens à ce qu'on disait, effectivement, les émotions, elles sont là, elles sont en nous, il faut les exprimer, mais ce qui est le plus important, c'est l'état émotionnel qui est induit, quoi. C'est-à-dire l'activation, notre comportement, voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je veux dire, la colère qui s'exprime, qui monte en moi, qu'est-ce qu'elle engendre comme réaction, qu'est-ce qu'elle engendre comme comportement face à mon adversaire, face à l'arbitrage, et comment derrière je vais mettre en place des stratégies pour retrouver un équilibre émotionnel cohérent qui va me permettre de rester dans la performance, en fait. Donc le travail, il est là surtout, c'est les émotions, au contraire, moi, comme je dis aux miens, mais vas-y, lâche-les, les émotions, il faut qu'on les perçoive, il faut qu'on les voit, comme ça au moins on saura ce qu'elles induisent chez toi. Ce qui se passe sur le court et ce qui se passe dans ta façon d'être et dans ta façon de faire. Comme ça, derrière, on va pouvoir travailler dessus pour éventuellement modifier ou corriger ces attitudes et ces comportements pour que tu restes le plus performant possible, qu'elles ne soient pas nuisibles justement aux résultats, à tes trajectoires, à ton déplacement, à ta prise d'information, à tout le reste. Voilà, c'est vraiment l'état émotionnel et les comportements induits qui sont importants. Les émotions, elles sont là, il faut s'en servir. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on parle de l'intelligence émotionnelle et qu'on a créé le quotient émotionnel aussi. Donc, c'est que l'émotion a une part importante, voire même primordiale dans le quotidien, quoi. Merci Christophe, tu voulais réagir. Attends, ton micro, je te l'active. Vas-y, c'est bon. C'est bon ? Oui. Oui, voilà. Moi, je voulais réagir par rapport au fait de maîtriser ses émotions. Pour revenir là-dessus, moi, en tant que joueur, j'étais à une certaine époque, plus jeune, j'étais très, très, très nerveux sur le court. Je pétais des câbles pour rien. Mais vraiment, vraiment fortement envers l'arbitre. Pour moi, il y avait de l'injustice et je partais complètement en live. Assez violemment et à un moment donné je me suis dit effectivement c'est pas possible de réagir comme ça sur le court et pour moi parce que ça nuisait à ma performance et par rapport aussi à moi par rapport à ce que je rejetais sur les autres donc j'ai travaillé, j'ai essayé de trouver des solutions pour arriver à gérer ces émotions à arriver à mieux les maîtriser. Et pendant une période donnée, comme pour un travail technique qu'on ferait avec un joueur, comme pour un travail physique qu'on ferait avec un joueur, j'ai contrôlé toutes mes émotions, j'ai maîtrisé toutes mes émotions, à un tel point que mon niveau de jeu était devenu inférieur, moins bon, parce que j'étais tellement dans le contrôle de mes émotions que j'étais plus dans la performance au niveau de mes coups, au niveau de mes choix, parce que j'étais complètement en contrôle de moi-même tout le temps, sur toutes les émotions que je pouvais ressentir. Du coup, j'étais plus sur le court. Pour moi, j'étais plus un joueur de squash. Ça t'a inhibé. Ça m'a complètement inhibé. Voilà, j'étais obligé de m'inhiber pour pouvoir passer ça et trouver des solutions, ce que j'ai fait après, hein, parce que j'ai réussi à du coup, grâce à ce travail-là, progresser et devenir encore meilleur, plus performant en tout cas. Mais oui, du coup, la maîtrise de mes émotions à cette période-là, sur une période courte, une période de on va dire 4-6 mois, m'a complètement inhibé et a été un frein à mes performances sportives. Voilà. Merci Mathieu, tu voulais réagir toi aussi. Attends, j'active ton micro. Voilà. Et pour revenir là-dessus, c'est la frontière entre complètement s'inhiber et puis les exprimer quand même, elle est propre à chacun et ça dépend aussi, ça dépend de notre caractère, de notre profil. Hein. Il y a des joueurs qui intériorisent tout. On voit par exemple un mec comme Federer, tu sais jamais s'il a mal, s'il doute, s'il est en colère, s'il a peur, alors qu'il a forcément peur, il est forcément en colère à un moment donné. Toutes ses émotions, il les a, et lui, il a appris à les gérer comme ça. Puis après, il y a d'autres athlètes qui sont plus dans l'expression, mais que
ils expriment leurs expressions toujours avec une forme de contrôle, c'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas emmener par. Il ne faut pas non plus… c'est pour ça que c'est très compliqué les émotions, parce que c'est propre à chaque individu. Pour pouvoir contrôler nos réactions aux émotions, il faut savoir ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que la colère, c'est une chose, on est tous en colère, ça nous arrive tous, c'est sur le terrain. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère? Il y a souvent un sentiment d'injustice, mais ce sentiment d'injustice, il correspond à quoi? C'est-à-dire que si à un moment donné, ce sentiment d'injustice, ça te fait péter les plombs, c'est que derrière cette injustice, il y a un truc, toi, personnel, de ton histoire, qui te pose un problème, c'est-à-dire que ça te fait sortir de toi, c'est inacceptable. Il faut être capable de travailler là-dessus pour que lorsque la colère arrive, il n'y ait pas forcément cette réaction qui est liée à l'injustice qui fait que tu sors de toi-même, tu sors de ce contrôle-là, tu vois. Souvent, les injustices au squash, ça peut être lié à une erreur d'arbitrage, on est d'accord. Moi, ce qui est dingue, c'est que nous, en tant que joueurs, on va être capable dans un match de faire 15-20 fautes parce que ça fait partie du jeu et que ces fautes-là, on les accepte. 15-20-25, peut-être parfois plus de fautes que ça. Et l'arbitre, il va faire une erreur, il va se tromper une fois et on va complètement fissurer. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi d'accepter que l'autre puisse faire une erreur, que nous, on puisse faire des erreurs, que l'autre puisse avoir peur, que nous, on puisse avoir peur, que l'arbitre, il est aussi dans un état émotionnel, comme Malcolm disait tout à l'heure, que en tant qu'entraîneur, on est aussi sous emprise des émotions. Hein. On n'est pas tout le temps nickel comme ça. Hein. Quand on arrive le matin, on a eu aussi des emmerdes, on a eu aussi des soucis, et on n'est pas forcément à même de pouvoir et donc de pouvoir bien évoluer. Donc, y a un des travaux à faire quand même, c'est d'aller décortiquer ce qu'il y a derrière cette colère, cette peur. Derrière la peur, c'est souvent la peur de perdre, mais c'est aussi la peur d'être jugé. C'est de se juger soi-même, c'est de confondre ce qu'on fait et ce qu'on est. C'est tout ça qui va faire que lorsque notre émotion elle arrive, ça explose, parce que on y met plus que ce qu'on devrait y mettre, de faire une faute, une plaque, d'avoir l'arbitre qui se gourre sur une balle litigieuse et qui va dans le sens de l'autre. C'est un point, mais en soi, aller péter sa raquette là-dessus, on sent bien que c'est complètement inapproprié. Et donc, c'est d'essayer de comprendre ça, de faire comprendre ça à l'athlète pour que lorsqu'il arrive, il soit capable de faire, de se maîtriser avec cette explication-là et de pas subir l'émotion, de pas être l'esclave de ses émotions. L'émotion, elle arrive et toi, tu es l'esclave, c'est-à-dire que tu te laisses complètement, t'es complètement dépendant de cette émotion. Il faut pas la subir. On peut l'exprimer sans la subir. Merci. Malcolm, tu voulais rebondir. Après, ce qui est intéressant, moi, j'ai la chance de pouvoir d'avoir vu pas mal de public en tant que coach de club, donc dans les joueurs amateurs, des jeunes, des tout-petits. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est quand on est curieux, on s'intéresse à voir quels sont les comportements. Il y a plein de trucs. Hein. Moi, j'ai des souvenirs de joueurs amateurs, joueurs loisirs. Effectivement, ils se mettent en colère régulièrement, allez, pour n'importe quel prétexte, mais la colère, ça arrive vite dans le match, pour tout et pour rien. Et un des comportements, ça va être de se mettre à frapper la balle systématiquement. Je répondais par est-ce qu'il y avait une question sur le joueur qui a été posé dans le chat sur un peu comment faire ça avec les joueurs amateurs qu'on ne voit pas très souvent, en fait. Même avec un joueur qu'on ne voit pas très souvent, une à deux fois par semaine, quand on fait des entraînements collectifs ou qu'on voit uniquement lors des matchs par équipe, effectivement, l'idée, c'est de lui montrer le comportement qu'il a. T'es en colère, tu te mets à frapper toutes les balles. Tu te mets à frapper comme un sourd, tout le temps, systématiquement. Est-ce que tu penses que ça va avoir un intérêt pour gagner le match, pour gagner le point, comme disait Mathieu, rester dans le côté, remettre dans la raison, les faire réfléchir pour qu'ils restent conscients et qu'ils ne se laissent pas déborder complètement par les réactions qu'engendrent les émotions. Voilà. Et ça,
Et pour ça, si on ne les aide pas un peu à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à dire « Ah ouais, attends, effectivement, j'ai tendance à me comporter comme ça, à réagir comme ça quand je suis en colère, à réagir comme ça quand j'ai peur, concrètement sur le terrain, comment ça se traduit ?» Parce que voilà, c'est un apprentissage qui est long. Combien de fois il y a des athlètes à l'inverse que je vais suivre régulièrement, toute l'année, une jeune que j'entraîne, elle rentre sur le match, je sais qu'elle a peur. T'as peur ? Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur. Ok, mais il ne faut pas avoir peur. Déjà, ok, ça ne t'empêchera pas d'avoir peur. Mais même t'as voulu dire, t'as peur, c'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'aurais peur. Tu peux exprimer le fait d'avoir peur. Mais tout ça, même si elle acquiesce, dit oui, c'est vrai. Concrètement, sur le terrain, des fois, elle se fait juste se faire déborder par ça. Et avoir un comportement, hop, une fuite en avant et perdre ses repères et perdre ses automatismes et ne plus savoir comment réagir efficacement face à cette émotion qu'elle ressent. Et ça demande quand même un apprentissage. Hein. Enfin, voilà, moi, je veux rester humble là-dessus. Hein. Je n'ai pas de solution miracle. On apprend chaque jour un peu plus. Et ça prend du temps, Mais c'est vrai que de répéter, de continuer à en parler, eh ben on peut avoir des changements. Ça se voit aussi. Moi, j'avais des joueurs où face un peu à la peur, il y avait des réactions de fuite ou un peu de gel, c'est-à-dire qu'il y avait plus de combativité. Dans certains moments du match, d'un coup, on s'arrête de se battre, de courir. Et ça, c'est un comportement visuel que nous, en tant qu'entraîneur, on repère tout de suite. Pourquoi tu ne t'es pas battu sur cette balle-là ? Elle était accessible, elle était à un mètre de toi. Et tu n'as pas fait l'effort d'aller la jouer. Pourquoi ? Alors qu'avant, tu cours. Pourquoi d'un coup, tu ne cours plus ? Ça, c'est des choses qui, en plus, en tant que coach, moi, va me mettre en colère. Donc, du coup, c'est compliqué à gérer. Mais en répétant, en se disant, voilà, on voit que dans cette situation, quand tu commences à ressentir de la peur, du stress, tu vois, tu as du mal à être combative, à te mettre à courir. Peut-être qu'on peut s'en servir pour essayer de définir des pistes de travail. C'est ça qu'on va travailler, la combativité. Donc concrètement, on va faire des exercices qui vont devoir durer longtemps, on va faire du jeu fond de cours, on va faire des choses où tu dois frapper beaucoup de balles, où ça va être long, on va travailler sur la durée et il va falloir que tu continues même quand tu vas être fatigué, même quand tu vas être dans une situation de stress, de match, même si tu sais que tu vas perdre, même si je vais te mettre dans une situation de te faire jouer avec un joueur plus fort où tu n'as aucune chance de gagner, mais on va travailler simplement le fait de continuer à se battre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Voilà, ça... Effectivement, derrière, on a des pistes de travail, en fait. Merci, Malcolm. Donc, on va continuer effectivement sur cette question qui est tombée sur le chat, qui était de Grégory Eke. Pour un joueur haut niveau, le coach a un suivi quotidien de l'état du joueur, mais comment faire avec les joueurs amateurs que nous avons une ou deux fois par semaine ? Faut-il leur demander de travailler dans leur vie de tous les jours ? Est-ce que, je sais que quelques-uns ont commencé à répondre. Yann, est-ce que tu veux donner la réponse que tu as apportée, entre autres, sur le chat ? Comme je disais, l'émotion, elle est liée à l'action, aux situations humaines de tous les jours. Donc, effectivement, c'est un travail quotidien. Même si nous, on a la main sur les athlètes de haut niveau tous les jours, reste cependant un temps, comme avec les jeunes que je roule, tout ce qui se passe quand ils sont à l'école, tout ce qui se passe quand ils sont à l'internat, je ne suis pas avec eux et pendant ces temps-là, ils ne sont pas vides d'émotions. Au contraire, souvent, c'est là où ils s'en passent même beaucoup. Ils en traversent même beaucoup des émotions et c'est des temps de travail aussi importants que sur le court. Parce qu'une émotion de colère, elle va ressortir sur un terrain de squash, mais elle va ressortir peut-être dans un conflit avec un surveillant. Elle va peut-être ressortir avec un partenaire à l'internat, enfin voilà, c'est du permanent. Donc moi j'ai des outils en fait où je demande aux gens de travailler sur l'identification des états mentaux, on appelle ça, c'est-à-dire aujourd'hui je suis dans une routine, aujourd'hui je suis hyperactif, là j'ai un moment d'anxiété, là j'ai voilà, et c'est sur une journée continue, c'est sur une semaine continue qu'on fait le travail. C'est pas sur que le squash, donc tu peux le faire travailler effectivement aux gens que tu vois qu'une fois par semaine, tout le reste de la semaine dans leur quotidien. Voilà, c'est juste prendre le temps d'identifier, tiens, là j'ai eu une crise d'anxiété, tiens là j'ai eu beaucoup de plaisir et de joie, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est produit,
qu'est-ce que ça a entraîné chez moi au niveau de mes sens. Donc voilà, c'est un travail permanent et tu peux le faire. Alors ça prendra peut-être plus de temps. Et à la fois, des fois, j'ai envie de dire peut-être moins de temps parce que toi, ton action, elle va être que ponctuelle une fois par semaine, alors que nous, on est au quotidien, à être des fois un peu trop sur leur dos, justement, sur ces émotions et leur état émotionnel. Et du coup, on les empêche d'avancer un peu seuls. Merci Yann. Mathieu, tu voulais aussi rebondir sur cette question. Oui, c'est ce qui est ce qui est difficile en fait avec les amateurs qu'on voit pas très souvent, c'est à la fois les moyens qu'ils ont pour pouvoir le temps, les moyens qu'ils ont, les objectifs qu'ils ont. C'est-à-dire que un amateur qui se libère deux fois par semaine pour venir faire des cours, ça peut être aussi compliqué de lui imposer un travail comme on impose un travail en fait aux athlètes de haut niveau. Après, il n'y a rien qui leur empêche qui les empêche de s'en inspirer. C'est toujours intéressant de faire un travail de toute façon sur soi pour comprendre comment on fonctionne et ce qu'il y a derrière nos réactions aux émotions. Et donc on peut les inciter aussi à aller faire des démarches qui vont dans ce sens-là pour essayer de comprendre en fait, hein, parce que ce qui pose problème, c'est quand on a des réactions qui sont inconscientes et non maîtrisées par rapport à nos émotions. Et donc, par définition, si on n'est pas conscient, on s'en rend pas compte. Donc, on peut pas avancer, on peut pas le modifier. Nous, on peut leur faire prendre conscience sur le terrain que là, sa réaction à la colère va pas venir nourrir son objectif de gagner, ou de progresser, en tout cas, quand c'est un entraînement, que le fait d'être sous emprise de la peur et d'être paralysé, ça va clairement pas venir nourrir l'objectif du moment. Mais effectivement, je pense que tout ça, c'est des mots quand on est en action. Que Yann le disait dans son geste, hein, dans sa réponse écrite tout à l'heure, c'est de dire que en fait les émotions c'est au quotidien. En fait, tu peux pas te trouver en fait sur le terrain de squash parce que tu veux gagner un match, tu vas te mettre à maîtriser ta réaction à la colère que tu maîtrises pas en dehors avec tes gamins au boulot, avec ta famille, etc. Tu vois, c'est je pense que tu le maîtriseras encore moins parce que t'es encore plus sous pression quand t'es sur le terrain. Donc on peut leur expliquer des choses et puis leur mettre et puis mais il y a quand même, ça demande quand même un entraînement quand même, hein, répété, hein, ça tombe pas en fait ça tombe pas comme ça parce qu'il y a des théories, il y a des bouquins, il y a plein de choses qu'on peut lire. Si on pratique pas, il y a un moment donné des choses, il faut les mettre en place et c'est pas forcément évident, c'est sûr. Je comprends qu'il ait posé la question. Laurent, tu avais un élément de réponse complémentaire à apporter aussi à cette question. Oui, c'est-à-dire que effectivement la gestion des émotions dans la dimension mentale fait complètement partie de l'enseignement pour moi. Et il y a des transferts qui sont réalisables dans la vie de tous les jours sur cette dimension mentale. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de venir jouer au squash à ce moment-là, et ben moi je l'attends, donc je lui ai demandé de ne pas être motivé, mais de se mobiliser, comme si c'est un jeune qui a des devoirs à faire, et ben c'est le même processus en termes de mobilisation. Et je vais faire du mieux possible. Et donc, ça prend plus de temps que si on n'a pas la personne au quotidien. Et par contre, ce qui est super intéressant, c'est que plus finalement on aura l'athlète jeune et plus le travail est efficace. Et idéalement, même à partir d'une mini squash de 3 ans et demi, sur la gestion des émotions, il y a quelque chose à faire, quoi, hein. Et donc, il s'agit de respecter le rythme de l'enfant. Mais plus on s'y prend tôt et plus c'est efficace. Plus on s'y prend tard et plus c'est difficile. Merci. Malcolm, tu voulais aussi intervenir sur le sujet. Ouais, pour revenir, la question des joueurs amateurs, effectivement, c'est un peu compliqué, mais plus que de
le fait d'agir à discernement, est-ce qu'il faut maîtriser ses émotions? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être rendre le sportif, l'athlète, qu'il soit amateur ou qu'il soit de haut niveau, responsable de son comportement vis-à-vis de ses émotions? Parce qu'à un moment, mon émotion, je me mets en colère et ma réponse à la colère, on va prendre l'exemple des petits. Un petit qui se met en colère. Je vais vous raconter un entraînement. Ça se passe très bien. J'ai trois petits gars sur le court, ils ont 10 ans. L'entraînement se passe bien, pas de souci. 10 minutes avant la fin de l'entraînement, je ne sais pas ce qui se passe. Ça commence à se chamailler et il y en a un qui va se mettre en colère. Et la réaction, ça va être qu'il va pousser et puis se mettre, envoyer un coup de pied à son partenaire. Il se frappe. Donc ça, son comportement, j'ai beau lui dire qu'il n'est pas autorisé, qu'il n'est pas adapté, qu'il ne colle pas au cadre et qu'il aura des conséquences. Et que s'il se comporte comme ça, et ben, du coup, il aura des conséquences. Il va se faire renvoyer de l'entraînement, peut-être du club, machin, et qu'il ne faut plus qu'il se comporte comme ça à l'avenir. En même temps, il n'a pas vraiment de solution alternative. S'il n'a pas de solution alternative, il fait comment? Si de toute façon, dans son schéma, quand il se met en colère, il frappe. Ou quand il se met en colère, il agit de façon là. Si je lui donne un choix, si je lui donne une autre possibilité d'exprimer sa colère, là, je le rends plus responsable. Il dit attention, tu as le choix quand même. Là, maintenant, tu as le choix de lui mettre un coup de pied ou tu as le choix de venir me voir et ou tu as le. Voilà. Tu lui offres une porte de sortie. Et en fait, c'est ça qui est compliqué, je pense. Mais en tout cas, là, on les responsabilise beaucoup plus. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème pour être en colère. Par contre, c'est ta responsabilité de l'exprimer correctement dans le cadre. Il y a un cadre qui te permet d'exprimer ta colère sans qu'il y ait de conséquences. Il y en a un, il y a quelque chose qu'on tolère, il y a d'autres qu'on ne tolère pas. Et là-dessus, moi, je trouve que souvent, les Anglais, ils sont assez forts dès le plus jeune âge pour aiguiller un peu les enfants là-dedans. Il y a pas mal de clubs où, quand on se balade, je me souviens quand on était au British Open avec Yann, et sur les vitres, sur les courts, et ben, il y a les règles, il y a les points forts, les points faibles mentalement, le comportement du joueur fort, le comportement du joueur faible. Et en fait, voilà, des listes. Je me bats, je ne regarde pas le parquet, je reste positif, je continue à me battre sur toutes ces balles-là. Et bah, tout ça, ça donne aussi des aiguillages et des lignes directrices pour le comportement acceptable en groupe, en match. Et ça leur donne un peu des solutions, quoi, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'être dans le concret avec ça. Mais c'est vrai que l'idée pour responsabiliser, bah, il faut proposer des alternatives, quoi. Moi, t'as le droit d'avoir peur, pas de problème. Mais par contre, que tu refuses de te battre, ça, par contre, si tu veux faire du sport du haut niveau, c'est pas acceptable. Il va falloir que tu arrives à exprimer ta peur d'une autre façon. Et c'est peut-être ça le challenge important, quoi. Plutôt que de lui dire, bah, si tu as peur, tu ne pourras pas faire de haut niveau. Si tu as peur, et bah, ça veut dire que tu n'es pas bon. Parce que souvent, ils peuvent associer ces choses-là. Et ils ont du mal à sentir que ça leur est propre, ça leur est individuel. L'autre aussi, il a peur, mais lui, bizarrement, il agit différemment de moi. Donc, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ne suis pas bon, c'est moi qui suis nul. Tout ça, c'est compliqué à leur faire prendre conscience que l'autre aussi, il a peur, il réagit différemment, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Chacun est comme il est. Il faut qu'il apprenne à se connaître et à juste pas aller dans la mauvaise direction, quoi. Merci, Malcolm. Mathieu, tu voulais prendre la parole. Ah oui, je voulais vraiment appuyer sur ce qu'a dit Malcolm sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire que, en fait, quel que soit ce qui va se passer sur le terrain, quel que soit le contexte, l'environnement, le joueur, on est de toute façon responsable de ce qu'on fait et du coup de ce qui nous arrive. C'est-à-dire même le résultat, on en est responsable. Le résultat n'est qu'une conséquence de ce qu'on fait et donc clairement. Le joueur, il faut le responsabiliser à fond, c'est-à-dire que on parle souvent des injustices, hein, sur le terrain, au squash, ce qui fait péter les plombs, c'est quand l'arbitre a fait une balle doublée, quand il a mis un stroke alors qu'on pense que c'est molette, que l'autre nous bloque et que l'arbitre ne voit pas. Enfin voilà, il y a plein de contextes qui peut nous amener de la colère et nous faire sortir de nous-mêmes. À ce moment-là, il faut bien expliquer que d'être en colère contre l'autre, ça va jamais changer notre sort à nous. C'est-à-dire que dans le cycle des émotions,
La deuxième phase qui nous met en mouvement après la tristesse, parce qu'on est triste de notre sort à ce moment-là, on se met en colère, en général contre les autres, parce qu'on n'est pas content de ce qui nous arrive. Alors là, on va se mettre en colère contre, contre l'arbitre, contre le joueur adverse, contre notre entraîneur, et dans la vie de tous les jours, ça peut être contre notre patron, etc. Et quand on se rend compte que de se mettre en colère contre les autres, ça c'est notre ego qui fait ça en premier, c'est-à-dire pour nous protéger, on va d'abord remettre la faute sur les autres. On peut passer notre vie à remettre la faute sur les autres et que ça change rien, parce que à la fois les autres ne changent pas, et c'est pas en mettant l'énergie sur ce qu'on maîtrise pas, c'est-à-dire les autres, que ça va changer quelque chose pour nous. Donc à un moment donné, il faut se responsabiliser et être en colère contre soi-même, c'est-à-dire que à partir du moment où on se met en colère contre soi-même, c'est qu'on se responsabilise, c'est qu'on se prend conscience que on a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, et là en l'occurrence dans notre réaction à l'émotion. Et ben, tout de suite, ça va plutôt nous mettre dans l'action plutôt que de subir l'arbitre ou l'adversaire. Ça va nous mettre dans l'action. C'est-à-dire, si moi je suis responsable de ce qui se passe, je peux changer les choses. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour changer les choses? Et là, pour le coup, on crée une dynamique. C'est-à-dire que l'arbitre nous a, on pense que l'arbitre nous a volé un point. Bon, ok, on lui laisse ça, il nous a volé un point, il ne reviendra jamais sur sa décision, clairement, ça n'arrive pas, c'est très rare. Mais ce dont on est responsable, c'est le comportement qu'on a les trois points d'après, parce qu'on pète les plombs, parce qu'on n'y est pas, parce qu'on veut rendre justice, parce qu'on se trompe de cible, parce qu'on ne joue plus pour gagner, mais pour se venger de l'arbitre, ou pour se venger de l'adversaire. Et là, c'est notre responsabilité. Là, c'est toi qui as perdu trois points parce que tu n'as pas accepté que l'arbitre, à un moment donné, il puisse se tromper ou qu'il aille, qu'il n'aille pas dans ton sens. Donc, ça, c'est la vraie responsabilité. Quand un joueur sort, il a eu peur, mais tout le monde a peur. C'était John McEnroe, je crois, qui disait la peur, elle est éminemment la même pour l'amateur que pour le champion. La seule différence, c'est que le champion, il la gère mieux. Mais faut pas croire que je vais prendre l'exemple d'un Grégory Gauthier, quand il rentre en finale contre je sais pas moi un Chordagui d'un grand tournoi, il n'est pas comme ça toute la journée. Hein. Il a cette peur à l'intérieur parce qu'il sait que la défaite, elle existe et que cette peur là, en fait. Mais lui, petit à petit, il a appris à la maîtriser, il a appris à accepter qu'il pouvait perdre. Et donc, la notion de défaite, il déteste ça, mais la notion de défaite, elle existe, donc c'est plus un stress. Donc en fait, cette peur-là, il l'a, mais il a subi moins, on va dire. Il va se concentrer à la tâche pour essayer de se rendre responsable de, malgré cet environnement de peur, quelle responsabilité j'ai, moi, pour pouvoir répondre à ça en exprimant ce que je maîtrise. Et là, tu te reconcentres sur ce que tu as à faire. La peur, elle peut potentiellement être toujours là parce que tu as peur de perdre, tu n'as pas envie. Et puis que ce n'est pas un problème. Mais pour la colère, c'est pareil. Hein. Et Malcolm disait bien que les Anglais, ils ont le joueur fort, le joueur faible. Il faut bien imaginer que si tu veux avoir envie de gagner sur un terrain, il faut quand même avoir une posture de dominant dans ce que tu proposes. Pas forcément dans le jeu, hein, mais pas forcément que dans le jeu, mais comportementalement parlant, il faut avoir une posture de dominant. Est-ce que le dominant, c'est celui qui râle? Est-ce que c'est celui qui se plaint? Est-ce que c'est celui qui pleure? Est-ce que c'est celui... Non, c'est clairement pas lui. Et donc, dans un sport d'opposition directe, on va dire c'est la boxe, on imagine que si un boxeur qui est en face de l'autre, qui chiale parce que l'autre, il l'a tapé comme ça avec l'arbitre machin, il va... tout de suite, il va perdre, c'est clair. Et le squash, c'est la même chose. Et que on a tous été arbitres, parce qu'on est tous joueurs, donc on arbitre tous, et qu'à un moment donné, l'arbitre, il peut pas avoir cette impartialité pure à 100%. Ça reste un humain qui sent, et qu'à un moment donné, inconsciemment, il y a un dominant à dominer, et que dans les formes de litige, quand il y a un joueur, ça fait une demi-heure qui râle à chaque balle et qui remet en cause tout ce que tu dis, t'as pas envie d'aller dans son sens, consciemment ou inconsciemment. Donc tu as un impact aussi, toi, direct, responsable, sur la capacité que l'arbitre il va avoir à basculer d'un côté ou de l'autre, voire même parfois, quand ça te fatigue, eh ben, tu sanctionnes plus sévèrement que ce que tu devrais.
Et ça, c'est ta responsabilité, ton comportement face à l'émotion qui a induit tout ça. Alors, je voudrais un peu rebondir en sortant un peu du cadre des questions sur ce que tu as évoqué. Tu as parlé de John McEnroe, justement, et justement, moi, j'ai vu bon, il y a quelques années maintenant le film Borg versus McEnroe, justement, et qui montre effectivement les deux gestions des émotions diamétralement opposées de ces deux athlètes. Je vous invite d'ailleurs à regarder ce film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Justement, qu'est-ce que tu penses effectivement de McEnroe qui justement est plutôt dans un état à être très à l'encontre de l'arbitrage, à tout ça, et pourtant qui a été ultra performant à son époque. Les autres, je vous pose aussi la question, hein, si jamais vous voulez effectivement répondre, mais ça m'intéresserait de savoir quel est votre avis sur cette manière de gérer les émotions. Bah, moi, je pense que pour McEnroe, c'est à la fois, il a un caractère qui est comme ça, et à la fois, il en joue, c'est-à-dire que c'est maîtrisé. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que je disais souvent à Greg, c'est qu'à un moment donné, tu as le droit de dire à l'arbitre que tu n'es pas content, tu as le droit d'aller mettre un peu de pression à l'arbitre, mais tu le contrôles. Ce n'est pas une réaction, on va dire, une réaction animale de défense ou liée à ce sentiment d'injustice. Où tu vas lui gueuler dessus, etc. C'est-à-dire que tu peux gueuler sur l'arbitre, mais en conscience, en maîtrise, avec un impact, tu sais que stratégiquement, le fait de gueuler sur l'arbitre, c'est un outil que tu vas utiliser pour avoir du poids sur lui ou pour le tester, comme sur l'autre. Et McEnroe, je pense qu'il en jouait à merveille parce qu'il avait vu que lui c'était presque devenu un jeu. En fait, il le contrôlait. Tu voyais très très bien que le film est génial. Hein. C'est vrai que je pense que il faut vraiment le voir. Mais de souvenir, il prenait un petit temps avant de faire son show. Tu vois, c'est-à-dire que ce petit temps que tu prends. Eh ben, ça te permet de passer l'information dans ton cerveau et de dire, OK, j'y vais pas, si j'y vais comme ça parce que je veux ça, parce que vous, il y a un objectif particulier. Merci Mathieu. Est-ce que quelqu'un veut réagir aussi sur cette anecdote? Ouais, moi je pense que, bon, j'aime beaucoup McEnroe, moi, personnellement, mais je pense effectivement qu'il jouait beaucoup avec l'arbitre, qu'il mettait de la pression à l'arbitre, ce qui pouvait aussi par moment permettre de faire sortir son adversaire du match. C'est aussi une façon pour lui de faire sortir son adversaire du match par moment. Mais il se servait aussi de ça des fois pour se motiver, pour trouver une source de... D'adrénaline ? D'adrénaline, voilà, d'énergie qu'il mettait dans un état. Et il servait de ça après pour pouvoir être plus performant. Moi, ça m'est déjà arrivé sur le cours de devoir m'énerver contre le joueur, contre l'arbitre, pour pouvoir après, derrière, trouver une source de motivation, d'énergie qui va m'emmener à être plus performant, en fait. Il y avait cette qualité-là. Merci Christophe. Malcolm, toi aussi, tu voulais réagir. Vas-y. Oui, bah, c'est pour aller dans le même sens que ce que dit Christophe. Après, je pense qu'effectivement, bah, c'est intéressant parce que c'est hyper personnel. Ça dépend de lui, ça lui convient à lui et à Christophe aussi. Et qu'en fait, c'est des comportements qui, dans leur cas, et dans leur cas précis, leur ont été positifs, en fait. Parce que peut-être qu'en gueulant sur l'arbitre, ça a empêché qu'il balance le retour de service dehors en exprimant sa colère, en mettant du poids dans la balle et en faisant une faute directe. Et peut-être que ça l'a... Et Christophe, pareil, peut-être qu'en s'énervant contre lui, ben voilà, ça lâche, ça permet de faire sauter une sorte de soupape. Là, il y a un bouchon qui pète, mais qui n'a pas de conséquences en fait, tout de suite au niveau du score, et qui permet d'aller trouver des solutions, de repartir sur un comportement plus raisonné. En fait, voilà, ça a été efficace pour eux, mais peut-être que pour un autre, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Tout ça, c'est hyper. Il n'y a pas de leçon, je pense, forcément à tirer et de généralité à faire en voyant ces exemples-là. Quoi. Il faut trouver ce qui nous convient. Voilà.
Moi, ça d'ailleurs, le film en question montre que Borg, quand il était plus jeune, avait effectivement les mêmes comportements que McEnroe, mais que lui, pour atteindre le très très haut niveau, c'est une totale stratégie inverse qui a été réalisée avec lui pour qu'il accède à ses nombreux titres, notamment à Wimbledon, entre autres. Mais voilà, le film parle en tout cas de la finale Wimbledon qui opposait Björn Borg à John McEnroe. La première, je crois, finale de John McEnroe sur Wimbledon, où il avait 18 ans et où il le perd en 5 jeux contre Björn Borg, qui gagne son 5e ou 6e titre de Wimbledon à cette compétition où il était à deux doigts de prendre sa retraite. Dans le squash, on en connaît aussi, hein, des mecs qui avaient un comportement, des Jonathan Power, des mecs expressifs. Et puis même nous tous, on se connaît. Et on apprend à se connaître plus on pratique. Et ça vient avec l'expérience. Parce qu'on remarque des choses en accumulant l'expérience, en vieillissant. Des fois, on remarque que quand on change son comportement, des fois, on a eu un comportement qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Et on peut remarquer quelles conséquences ça a eu dans le jeu. Voilà, moi, il peut m'arriver souvent d'avoir peur dans le match, d'avoir peur du résultat, de l'enjeu. Et certaines fois, en voyant qu'en ayant une attitude un peu plus décontractée, un petit peu plus chambreur avec le public, avec mon adversaire, avec l'arbitre, et ben peut-être que moi, personnellement, j'ai remarqué que ça pouvait m'aider à évacuer un peu ça et ça ne m'empêche pas d'être concentré sur ce qui se passe. Mais de l'extérieur, ça peut être perçu comme de la nonchalance, comme du je m'en foutisme, mais alors que en fait c'est très personnel à moi. Si c'est du bricolage, si je bricole pour réussir à avoir un comportement plutôt que d'être paralysé et de pas réussir à frapper toutes les balles au fond parce que j'ai peur de ce qui va arriver, j'ai peur de frapper fort dans la balle, et ben pof, j'arrive à un moyen détourné d'arriver à relâcher un peu ça et de pouvoir être plus concentré sur le jeu. C'est pas mal d'impro, hein. Je pense qu'après chacun trouve un peu ses solutions et des fois il y a des trucs qui peuvent se dire ah tiens, par jeu d'essai-erreur, eh ben ça a été plutôt efficace, ça a été une réponse moins efficace, et on apprend en tâtonnant, quoi. Alors, j'ai quelques remarques sur le chat. Oui, bien évidemment, il faut faire attention à l'arbitrage. Et donc, effectivement, réglementairement, ces comportements excessifs qu'on peut avoir doivent être dans le respect des règles de l'arbitrage, parce qu'effectivement, sinon, on peut avoir des sanctions qui sont appliquées. Ça va de soi. Mais effectivement, trouver le moyen de s'exulter pour certains pour pouvoir dégager cette émotion qu'ils ont besoin de libérer pour avoir plus d'adrénaline, comme disait Christophe, ou de motivation. On va avancer sur une question que vous avez déjà certainement la réponse toute faite. Performance et émotion font-ils bon ménage? Donc, Malcolm, je te laisse la parole sur le sujet, si tu veux répondre à cette question. Ouais, après, c'est performance et émotion. De toute façon, comme on l'a dit, les émotions, elles sont indissociables de l'individu. Donc, il n'y a pas de raison qu'elles sont présentes dans le match. Après, c'est leur... C'est encore une fois, c'est toujours les comportements auxquels elles sont associées qui sont très différents d'un individu à l'autre. Et après, apprendre à essayer de les canaliser et de les orienter et de les aiguiller dans le bon sens. On sait qu'il y a des... Donc plutôt que de dire okay, les émotions, moi je préfère plutôt essayer de parler de comportements qui favorisent la performance et ceux qui ne le favorisent pas. Et c'est de ça dans le sens où on rejoint un peu ce que... Je me suis pas mal inspiré de ce que j'ai vu en Angleterre pour dire voilà les comportements qui sont associés à un état de performance pendant le match et donner des exemples un peu concrets aux jeunes. L'attitude, le langage non-verbal, l'attitude avec l'arbitre, le fait de se donner des encouragements ou à l'inverse d'être critique et d'avoir un discours négatif avec soi-même. Si on a un discours négatif, c'est un comportement qui nuit à la performance. Un discours positif, en revanche, et on donne des exemples concrets, des encouragements, ça va inciter, ça va favoriser la performance. Et comme ça, on peut y aller et faire des fiches, afficher ça au mur, que ce soit visuel, les plus, les moins, ce qui favorise, ce qui est négatif. Et ça va être utile concrètement, en fait. Après, on peut rattacher ces comportements-là à des émotions. Voilà, c'est le fait d'avoir un discours négatif. Ça peut être parce que quand je suis en colère, j'ai un discours négatif. Quand je suis triste, pareil, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je pense que c'est d'adapter son comportement à la performance, en gros. Ouais, d'orienter le comportement vers la performance. Mais en tout cas, d'essayer de différencier un peu qu'est-ce qui va être efficace, qu'est-ce qui va l'être moins comme comportement. Toi, où est-ce que tu te places là-dedans? Où est-ce que tu te situes? Bah, faut que tu te regardes faire. Il n'y a pas la photo. Il y a un moment, c'est compliqué d'avoir un recul dans l'action sur nous. Donc, à froid, avec de la vidéo, avec l'oreille d'un autre. Hein. Des fois, la parole du coach, elle est compliquée quand on s'adresse à quelqu'un qu'on suit régulièrement. Et des fois, c'est super bon de faire intervenir des gens qui sont un peu extérieurs, qui viennent moins. Même s'ils ont les mêmes discours, ils utilisent d'autres mots. Et ça peut créer des déclics, quoi. On sait, voilà. Et ouais, ça, je pense que c'est important pour moi, c'est les comportements. Merci. Yann, donc performance et émotion font-ils bon ménage ? Oui, pour moi, oui, c'est indissociable dans le sens où les émotions vont construire des états mentaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai peur, mon premier état mental, ça peut entraîner de l'anxiété, ça peut entraîner de l'inhibition. Et moi, je vais travailler dessus pour que maintenant, entre guillemets, l'émotion de la peur m'amène plutôt vers un état mental d'engagement, de persévérance, d'abnégation, tu vois. Je vais construire là-dessus. Et donc, si je n'ai pas eu des émotions, si je n'ai pas d'émotions, je ne vais pas me rappeler ces états mentaux. Donc, pour moi, c'est indissociable pour aller vers la performance. Mais ce qu'il faut, c'est que l'émotion soit liée, qu'on arrive à la relier, qu'on travaille pour qu'elle soit reliée toujours à un état mental qui nous conduit vers l'expression de notre plein potentiel. Voilà, c'est ça l'idée surtout. Donc, voilà, c'est comme disait Malcolm, il appelle ça des comportements. Moi, j'appelle ça des états mentaux. C'est un peu, on se retrouve quoi, complètement, mais voilà, l'idée, elle est là. Donc, ouais, émotion, bien sûr qu'il faut des émotions. On fait, nous, du sport pour vivre des émotions. Merci. Laurent, tu peux nous apporter des éléments de réponse pour cette question ? Ouais. En ski, donc, j'ai pas cette expérience de haut niveau, mais quand j'avais emmené des jeunes. Alors, justement, là, on est là pour parler de tous les niveaux et même sur quand on ne fait pas du haut niveau, on peut rechercher de la performance à son niveau. Donc, on est là vraiment pour balayer tous les niveaux et c'est pour ça que vous êtes de différents univers sur le sujet pour pouvoir répondre à ces questions. Et donc, en ayant emmené plusieurs fois des jeunes au French Junior Open, pour moi, l'émotion était plutôt un handicap. Donc, j'ai axé mon enseignement sur effectivement se libérer de l'émotion, tout en sachant que l'émotion génère de l'énergie et que cette énergie, par contre, elle a un contre-coup. C'est-à-dire que ça peut mettre un coup de boost et ensuite avoir un coup de bambou. Et donc, pour moi, il s'agissait donc plutôt de s'affranchir le plus possible de l'émotion, ce qui est un processus extrêmement long. Et donc là, j'ai pas d'exemple d'athlète qui soit abouti dans cette libération par rapport à l'émotion. Et d'utiliser donc toutefois l'émotion à certains moments. Je me rappelle d'un championnat de France où j'ai un jeune qui en quart ou en huitième qui a 3 points du match. Il est dans la zone, il joue super bien. Et à 3 points du match, j'intuite qu'il peut avoir une baisse de régime. Et là, au lieu de lui dire bah, « continue, c'est bien comme je fais d'habitude », là, je lui dis « je stresse un bon coup », je lui dis « lâche rien, pousse !» Et pour lui créer cette émotion, éviter le coup de moins de relâchement. Et donc, l'émotion peut être pour moi utile. Par contre, c'est un processus qui est très énergivore. Et j'explore une autre voie où il s'agirait d'être moins sujet à l'émotion, d'être plus congruent dans ce que je veux faire, plus à l'aise dans mon personnage, dans mes objectifs de squash, ce qui fait que moi, bah, je perds la main. Il y a des joueurs pour qui je détecte un haut potentiel, finalement, qui n'ont pas très envie, ou qui préfèrent aller jouer au foot, par exemple, qui est plus médiatisé. Mais avec les joueurs qui ont vraiment envie de jouer au squash, c'est un régal. Ça devient un régal. Et il y a de l'enthousiasme. Il y a plus de peur. Il y a de l'enthousiasme qui naît. Et ça devient très, très, très sympa. Merci. Mathieu, à ton tour pour répondre à donc la question
Performance et émotion font-ils bon ménage ? La question ne se pose même pas. Hein. Les émotions sont là. Elles font bon ménage ou mauvais ménage ? Ça dépend comment on adapte son comportement ou son état mental, comme disait Yann. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est comme le fait que les émotions soient là, présentes et qu'elles font partie de nous, autant s'en servir en fait. Et donc, il faut essayer de se mettre dans une position où on se dit, pour se servir de cette émotion-là, comment je la fais parler ? C'est-à-dire que je vais prendre pour exemple la peur, par exemple. La peur, elle est là pour quoi en fait ? La peur, elle n'est pas là pour nous paralyser. Et pourtant, elle nous paralyse. C'est-à-dire que ça soit avant, on a de l'anxiété, on ne dort pas, on a du mal à se focaliser, on a des réactions comportementales et physiologiques qui nous perturbent sur l'avant et qui nous amènent des pensées négatives. En général, plutôt parce qu'on se projette dans un scénario négatif parce qu'on a peur de perdre, bien évidemment. On n'a pas peur de gagner. Enfin, ça peut arriver, mais c'est moins fréquent. Cette peur-là, elle est faite pour nous mettre en vigilance. En fait, c'est un garde-fou. Les gens qui n'ont pas peur, c'est des gens qui sont en danger. La peur, elle nous arrive parce que c'est en train de nous dire attention, t'es dans une zone d'inconfort, de danger, où t'as quelque chose à perdre, mais t'as aussi quelque chose à gagner. C'est-à-dire, plus la peur est forte, plus t'as un truc de fort à gagner. C'est-à-dire, derrière la peur, faut toujours essayer d'aller chercher l'envie qu'il y a derrière. Derrière la peur de perdre, il y a l'envie de gagner. Derrière la peur de faire une plaque, t'as pas plutôt envie de mettre la balle au-dessus de la plaque. Et donc, tu peux tout retransformer, toi. C'est-à-dire que, à travers cette peur-là, tu peux arriver à te sublimer. Moi, souvent, on me pose la question de savoir comment, par exemple, un mec comme Federer, pour parler de... Les gens pensent que Federer, il a pas peur quand il sert une balle de match ou quand il est sur une balle de match contre lui. Il a peur comme tout le monde, il sait très bien ce qu'il peut jouer. La seule différence, c'est que cette peur-là va lui permettre d'augmenter son niveau de vigilance parce qu'il y a un truc super fort à jouer où il a beaucoup à perdre mais aussi beaucoup à gagner et que comme il accepte de pouvoir perdre parce que ça fait partie du truc, c'est plus un problème. Lui, il se focalise sur l'envie de gagner et donc ça va lui imposer un niveau d'exigence, un souci du détail, un niveau de concentration optimum parce qu'il y a cette peur-là. Tu comprends ? Donc, c'est d'aller se servir de ça. C'est normal d'avoir peur et heureusement qu'elle est là. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette peur-là ? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette peur-là ? Elle te dit que là, tu es un peu sur la corde raide. Mais en même temps, c'est une réalité. Tu n'as pas à stresser par rapport à ça. C'est qu'est-ce que je fais, moi, la manière dont je vais adapter mon comportement pour venir nourrir mon objectif, qui est mon objectif, en fait, de gagner ce point, ou en tout cas ce match. Donc, c'est de retravailler l'impact et la manière dont on voit ses émotions. Et en fait, il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour se sublimer. Si elles existent, c'est qu'elles ont un impact positif pour nous. Elles sont là pour nous rendre service. Comment elles nous rendent service ? Eh ben voilà, on explique pour chaque émotion ce qu'il y a derrière et automatiquement, après, ça nous active, ça nous met en mouvement. Elles répondent à un besoin. Oui, c'est ça. En fonction de l'environnement dans lequel on est. Christophe, à ton tour de prendre la parole pour cette question. Oui, moi je réfrène pas les émotions vraiment de n'importe quel joueur que ce soit, parce que ça fait partie d'eux et c'est ce qui va leur permettre de se construire dans leur pratique au niveau du squash. Donc moi oui, performance, émotion, pour moi ça fait bon ménage. Il faut arriver à ce que le joueur se retrouve dans un état le plus possible ce que Targé peut appeler le flow, ce que les Anglais vont appeler in the zone, on fire, nous ça va être l'état de grâce. C'est un moment, ça peut être un moment court, ça peut être des fois ça peut être un jeu, ça peut être une série de points,
il faut arriver à faire en sorte que les joueurs, que le joueur arrive à trouver le meilleur équilibre entre toutes ces émotions pour être performant. Voilà, mais moi, personnellement, oui, les émotions, pour moi, ça fait partie du joueur, de l'ADN du joueur. Et il faut s'en servir. Le stress, par exemple, comme disait Mathieu très bien, le stress, alors, il va y avoir le stress d'un début de match où ça va inhiber complètement certains joueurs. Mais plutôt que ça, moi, c'est vrai qu'il faut essayer de transmettre ça j'essaye de transmettre ça à mes joueurs, moi, c'est que le stress, ça doit, plutôt que de vous inhiber, ça doit mettre en alerte tous vos sens. Être plus performant dans la réactivité au niveau physique, plus performant dans la prise d'information, plus performant dans la gestuelle technique. Enfin, ça doit mettre tous vos sens doivent être au top. C'est ça ce qu'on appelle après le stress positif. On l'a transformé en stress positif plutôt que négatif. C'est important. Et en début de match, effectivement, arriver ou avant les matchs même, à créer des routines qui vous permettent de vous retrouver dans cet état-là, comme de faire des représentations mentales, se projeter en train de faire un match et s'imaginer en train de faire le mieux possible, bien évidemment, et de mettre en place votre stratégie de jeu. Voilà, c'était un petit exemple sur le stress, sur l'émotion du stress, par exemple, en début de match. Donc, pour résumer un peu, l'émotion doit être au service de la performance pour faire bon ménage. On va poursuivre avec la dernière question de ce cadre, mais il y avait une autre question sur le chat à laquelle je vais répondre. Donc, la question que je vous pose maintenant, c'est donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui avec les joueurs pour leur apprendre à gérer l'émotion, leurs émotions? Donc, Laurent, est-ce que tu veux bien répondre à cette question? Qu'est-ce que concrètement, toi, aujourd'hui, tu mets en place avec tes élèves? Alors, effectivement, je mets en place, ça répond d'Eric Boigalet, là, sur le chat. Je mets en place, effectivement, des routines pour apprendre à caractériser les émotions, en premier lieu. C'est ce que disait Mathieu en tout début et tout au long de ces échanges. Donc, caractériser l'émotion, c'est important. Ensuite, par rapport à l'émotion, comment je vais pouvoir l'exprimer, si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, quel biais j'ai à ce moment-là, si j'en ai pas, comment je vais gérer ma frustration de ne pas pouvoir l'exprimer. Donc, ça, c'est important. Et donc, je recontextualise beaucoup l'importance du squash à un moment de la vie ou dans la vie en général, et de façon à ôter de la pression aux joueurs, de façon à rester dans un enthousiasme. Et je vais minimiser l'importance du résultat par rapport à la démarche. C'est le plus important, c'est d'arriver à jouer du mieux possible. Et le résultat va dépendre de la performance de l'adversaire en face aussi. Et par rapport à soi-même, qu'est-ce que je fais de mon côté? Comment je balaye devant ma porte? Et là encore, ça peut reprendre aussi ce que disait Mathieu par rapport aux injustices liées à des erreurs d'arbitrage. Comment je fais avant, pour balayer devant ma porte avant de m'intéresser aux autres? Donc, je vais essayer d'individuer au maximum l'aspect gestion des émotions. Et puis, donc de façon un petit peu plus concrète, par exemple sur la concentration, qu'est-ce que je mets comme routine? Je vais rappeler l'importance donc du moment présent, du moi ici et maintenant. L'athlète joue en premier lieu pour lui, dans un club, soit qu'il connaît, soit qu'il ne connaît pas, et il va devoir s'habituer, il va devoir faire avec les caractéristiques du terrain en fonction de son état de forme. Sur la motivation, donc je demande à l'athlète de trouver un motif de réjouissance qui va pouvoir se rappeler au moment de stress négatif, pouvoir transformer ce stress négatif en stress positif. Pourquoi est-ce qu'il est content? Pourquoi est-ce qu'il est content de jouer? S'il n'est pas content, donc là je vais travailler sur la mobilisation. C'est-à-dire, je vais dire, bon, voilà, tu t'es engagé à faire un entraînement, tu t'es engagé à faire des matchs. Bon, tu fais tes matchs, tu fais du mieux possible, et puis après, basta, quoi.
sur le relâchement aussi. Donc, les exercices de respiration sont importants de ce point de vue-là. Et sur la détermination, j'aime bien aussi deux étapes. La première, c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est de dire bah, essaye du mieux possible. Et après, au bout d'un moment, c'est de dire maintenant, tu n'essayes plus. Tu le fais, tu sais le faire, tu le fais, sachant que tu as droit à l'erreur à partir du moment où l'erreur n'est pas récurrente. Pareil sur les intentionnalités, donc je vais travailler sur les représentations mentales avant avec l'athlète. Alors avant donc le match, avant l'exercice. En briefing. Pardon. En briefing. Ouais, en briefing d'avant match ou d'avant entraînement. Et puis bon, de façon générale, j'essaie d'enlever de la pression. Je rappelle que l'erreur est indissociable du progrès, que si je n'ose pas, si je ne tente pas, je ne peux pas explorer d'axes d'amélioration. Et puis, je dissocie aussi l'action du joueur de sa personnalité. Ce n'est pas parce que l'athlète va réussir un mauvais match qu'il est une mauvaise personne. C'est deux choses complètement différentes. Donc, voilà synthétiquement ce que je mets en place pour apprendre aux joueurs à gérer leurs émotions. Merci Laurent. Mathieu, peux-tu nous partager ton expérience sur ce que tu fais concrètement donc, pour apprendre à des joueurs à gérer leurs émotions? Alors attends, je te remets le micro. Hop, c'est bon. En fait, il y a deux axes. Il y a vraiment les émotions avant. Enfin, il y a les émotions, on va dire, avant le match, où là, on a plus le temps, si on n'est pas en crise, on a plus le temps de mettre en place des routines, des postures qui permettent, en fait, à l'athlète d'aller retrouver du confort quand il est en prise d'émotion. Et donc là, bah, il y a tout le travail qui est fait par rapport en fait à l'échec, par rapport à l'erreur, qui va minimiser en fait l'impact de la peur qu'on va avoir de se tromper, de faire une erreur, de perdre, parce que la peur, c'est la peur avant un match, elle est éminemment liée à ça. Et puis aussi la notion d'injustice qu'on peut avoir sur le terrain, c'est-à-dire que si j'accepte plus facilement moi de faire des erreurs. Si j'accepte plus facilement de pouvoir perdre parce que ça fait partie du jeu, je vais accepter plus facilement que les autres fassent des erreurs, comme par exemple l'arbitre. Et du coup, une fois qu'on a vraiment travaillé là-dessus, après c'est d'axer sur le comportement. Malcolm l'a très justement dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quel que soit le contexte dans lequel tu vas évoluer, qu'il soit le contexte environnemental du club, le contexte du joueur, le contexte de l'arbitre et ton contexte émotionnel, quel comportement je vais appliquer, que je vais contrôler, qui va venir nourrir ma performance, c'est-à-dire l'expression de mon potentiel. Et c'est un peu, c'est d'être en contrôle de ça. Et donc, il y a des routines comportementales, des routines beaucoup avec des mots, des phrases, ce qu'on appelle des pensées positives. Après, quand on est sur le terrain, on a toute la méthodologie qui est à la base de toujours rester en conscience de ce qui se passe et que à travers cette conscience-là, de rester en contrôle de ce qui se passe, c'est-à-dire toujours contrôler notre comportement, nos choix. Et après, Laurent en parlait, la respiration, le relâchement, parce que ben, quand on est pris sous le feu des émotions, souvent on a un état de tension, on en a parlé la dernière fois, on a un état de tension qui nous fait perdre notre fluidité, notre lucidité, notre capacité à bien réaliser les tâches qu'on réalise facilement d'habitude. Ça aussi, il y a des exercices. Et après, il y a tout un espèce de panel de pensées parades qui vont nous ancrer en fait dans un comportement plutôt dominant, positif, ou alors chercher à se relâcher ou à s'activer en fonction des moments. Parfois, je suis un peu down et donc je vais avoir des pensées qui vont me permettre de me rebooster.
Je vais pouvoir aller utiliser une émotion pour pouvoir me rebooster ou me révolter, comme disait Christophe. Voilà. Et donc, ou alors, une pensée positive d'une expérience que j'ai déjà vécue, où je m'en suis bien tiré, en fait, hein, où j'ai réussi à me sortir d'une situation compliquée qui me prouve que je suis capable de le faire. Et donc après, c'est de se recentrer automatiquement sur ce que je vais avoir à faire. Et à partir du moment où je vais être concentré à ce que je fais, je subis plus l'entourage. Je subis plus forcément le poids de l'émotion parce que je suis accaparé à la tâche. Et plus je vais être concentré à la tâche avec une méthodologie, une routine, une progression particulière, plus ça va m'emmener vers le faire, vers l'action, vers le contrôle, vers la maîtrise. Et là, je ne subis plus le poids de tout ça. Ouais. Merci. Avec Grégory Gauthier, est-ce que justement une action sur la gestion de ses émotions, ça a été quelque chose de prédominant dans ta pratique avec lui ou non, c'était pas forcément Si, parce qu'il y a forcément un moment, les gens le connaissent, on voit très bien que sur le plan émotionnel, c'est une bombe. Alors autant c'est une qualité dingue parce que il a ce côté où il est capable de se transcender, ce côté très carnassier, dominant, qui peut vraiment le servir et avoir un impact fort sur les adversaires. Hein. On peut entendre mes autres adversaires quand ils savent qu'ils vont jouer Greg Gauthier, ils savent que ça va, qu'ils vont chier, hein, comme les joueurs qui vont jouer Nadal. Quand tu sais que tu as Nadal, tu sais que ça va être compliqué, tu vas prendre un puncher. Mais d'un autre côté, Greg, il avait ce côté qui était lié à l'injustice, qui pouvait le faire dégoupiller et qui l'a fait dégoupiller quand même plusieurs fois. Et en fait, il a fallu du coup travailler là-dessus. Alors à la fois en lui expliquant en amont qu'il fallait accepter tout ce qui se passe et puis il était responsable de tout ce qui se passait dans son comportement et que clairement il fallait qu'à un moment donné il puisse sortir de ce réflexe comportemental qu'il avait face à l'injustice, donc avec des gestes, des ancrages, des pensées, des phrases, des choses comme ça qui permettent de le redescendre et de dire attends, est-ce que là tu penses que de faire ça, ça va venir, que d'avoir tel comportement, ça va venir nourrir ta performance, et bien lui faire comprendre qu'il était responsable, c'est-à-dire que même si l'arbitre n'allait pas dans son sens, où le joueur adverse pouvait user de tous les stratagèmes possibles pour le faire dégoupiller, que c'était lui qui gérait son comportement. Et qu'on a bien vu que alors, on reste quand même souvent fragile par rapport à ça, c'est-à-dire que si on ne travaille pas, on peut vite retomber un peu dans ses travers. Mais moi, je me souviens avoir vu, enfin, il y a eu des saisons où en fait il a très très bien géré ce côté-là et que il y a un moment donné les arbitres allaient dans son sens parce que il restait dominant, parce que il se plaignait pas, parce qu'il acceptait, parce qu'il savait que lui il avait les moyens malgré ce contexte qui ne lui convenait pas, qui était un inconfort, qui était un déplaisir, malgré ce contexte-là il avait les moyens de pouvoir dans son comportement gagner malgré ça. C'est pas parce que on t'a volé un point à 3-3 dans le deuxième que tous les autres points derrière tu vas les perdre. Tous les autres points, c'est toi qui vas être responsable de ce qui va se passer, même si à ce moment-là il y a effectivement eu un vol, une injustice ou quoi que ce soit. Tu vois, donc c'est responsabiliser en expliquant et donner des outils après, des outils concrets qui permettent à l'athlète de retrouver du contrôle, d'accepter et de retrouver du contrôle. Merci Mathieu. Malcolm, tu veux nous apporter des réponses à cette question. Donc, qu'est-ce que concrètement tu mets en place avec tes joueurs, joueuses, pour les aider à gérer leurs émotions?
Tout d'abord, il n'y a pas de solution miracle. C'est très difficile. D'accord, je ne vais pas arriver avec des grandes solutions. C'est un truc auquel on se bataille au quotidien. Des fois qu'on s'arrache les cheveux en tant qu'entraîneur. Hein, moi, j'en ai plein des jeunes avec qui, justement, la gestion des émotions, c'est très important, très compliqué. Il faut être, ça prend beaucoup d'humilité. Il faut être patient. Et les pistes qu'on peut avoir, c'est pas mal de faire d'aller-retour entre effectivement le faire, ce qu'ils font, qu'ils puissent se voir faire, sans l'écoute, s'entendre dire, essayer de diversifier un maximum un peu les canaux pour véhiculer le message en fait, et effectivement la vidéo. À partir de assez jeune, en fait, la vidéo, c'est quand même un bon outil pour ça. Des jeunes qui se regardent jouer, qui se voient jouer, pas forcément, donc bien sûr avec les sportifs de haut niveau, mais avec les enfants, ça marche bien parce que tout de suite, ils peuvent poser une image sur leur comportement. On peut voir les conséquences que ça a. Et puis après, on peut essayer de trouver des solutions et des solutions concrètes pour essayer de changer ça, effectivement, tout ce qui est essayer de se mettre des mots-clés, des phrases-clés pendant le match, tout ça, c'est important, ça peut être fait tôt, et on peut leur demander, en regardant le match, de dire, OK, bon, là, on voit que tu as eu un geste d'humeur, on voit la conséquence que ça a eu dans le jeu, tu as perdu, tu as fait une faute directe, tu as balancé un point, tu t'es moins battu, qu'est-ce qu'on pourrait se dire à ce moment-là? Qu'est-ce que toi, tu pourrais avoir comme discours interne pour essayer de te mobiliser, pour essayer de t'encourager. Voilà, des petites choses comme ça, et de façon répétée, parce que forcément, il n'y a pas de truc miracle, hein, ça ne marche pas du premier coup, mais ça aide, ça participe. Et puis, les confronter déjà. Hein, pour les jeunes, l'important, c'est qu'ils se confrontent à leurs émotions. Donc, il n'y a rien qui remplace déjà l'expérience. Ils arrivent aussi à s'auto-réguler, on le voit, plus ils font de compète. Hein. Il y a des enfants qu'on prend jeunes, qui sont très colériques, qui peuvent exploser contre l'arbitre, contre l'adversaire, et qui en perdent un paquet de matchs. Et puis tout ça, ça a aussi tendance à se tasser, et ils mûrissent, et ils prennent de l'expérience, et ils sont plus habiles dans leur façon de gérer le fait d'être menés au score, parce qu'ils ont vécu des situations où ils arrivent à renverser une situation, ils ont vécu des situations où ils étaient en position confortable, et puis ils ont perdu le match, donc ça les rend plus vigilants, ça les rend plus attentifs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon aussi très naturelle chez eux, il ne faut pas qu'on se mette non plus en position trop verticale, qu'on a le savoir et qu'on va tout leur apprendre. Ils sont hyper adaptables, il ne faut pas l'oublier, et que ne serait-ce que de les mettre en situation le plus souvent possible, ça marche. Après, concrètement, on peut aussi tendre des petits trucs. Si j'en ai un qui s'énerve beaucoup à l'arbitrage, à l'entraînement, concrètement, je peux le faire un match d'entraînement et faire exprès de le faire arbitrer par deux petits, ou par deux qui sont beaucoup moins forts que lui, qui comprennent moins ce qui se passe, pour le mettre dans une situation où ça va provoquer un peu son agacement. Déjà, rien qu'à la vue, il voit tout de suite qu'il arbitre, il est déjà en colère. Et là, on peut rentrer sur le court, tu vois ce qui se passe, tu sens là, pour essayer de lui faire sentir à l'instant T, lui faire prendre des petits lui faire prendre du recul, lui faire comprendre ce qui se passe. Voilà, on peut avoir des petits trucs et astuces comme ça, pour essayer de leur faire prendre conscience un peu d'électrochoc, et souvent ça fait bouger les lignes. Et c'est pareil avec un sportif de haut niveau. Hein. Franchement, la prise de hauteur, le recul, c'est un truc essentiel dans un premier temps. Arriver à verbaliser, ça c'est hyper important, d'accord ? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Parce qu'il y a un moment, ça doit venir de lui. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu penses ? Tout ce travail-là, il est hyper important pour établir des stratégies, quoi, pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir des outils. Et après, c'est donner des outils. Ça, c'est la partie compliquée. Ça, c'est la partie difficile, plus en fonction du niveau. Hein. C'est sûr que ça doit être de plus en plus précis, plus on va aller vers le haut niveau. Mais donner des outils pour les responsabiliser et pour leur mettre tout le temps en position de dire « attention, tu as le choix. Tu as le choix de réagir comme ça ou comme ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu subisses. Tu n'es pas coincé, tu n'es pas enfermé. Ah, mais moi, je suis comme ça. » Souvent, c'est des discours qui reviennent. Hein. « Moi, je suis comme ça, je ne suis pas autrement. De toute façon, c'est comme ça. » Ils ont l'impression de se sentir prisonniers, de sentir qu'il y a un espèce de plafond de verre, et faire comprendre qu'en fait, tout ça, c'est très malléable, qu'on peut s'adapter, qu'on peut contourner,
c'est peut-être déjà un de nos boulots à nous, encadrant, coach, quel que soit le public auquel on soit confronté, quoi, que ce soit des amateurs, que ce soit des jeunes, que ce soit des sportifs de haut niveau. Hein, c'est souvent les représentations qu'ils ont, elles sont souvent super rigides. Ils ont l'impression d'être complètement, des fois, victimes de leurs émotions, qu'on n'y peut pas, de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. Chez les petits, c'est très vrai. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Les petits, ils sont super rigides. Hein. Je suis en colère, je suis en colère. De toute façon, je ne peux rien y faire. De toute façon, voilà, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Prends ton temps, pose-toi, Coco, tu vas voir, ça va bouger. Mais non, ce n'est pas aussi rigide que ça. Tu vas voir, on peut faire autrement. Il y a d'autres solutions qui existent. Regarde, observez l'autre. Un autre truc aussi, c'est important, c'est observer les autres. Parce que des fois, ils ont du mal à se voir, à se rendre compte de comment ils gèrent leurs émotions eux-mêmes en situation. On a beau leur dire, bon, c'est difficile, ils ont du mal à se mettre des représentations visuelles, mais par contre, regarde l'autre comment il fait, regarde l'autre comment il agit, regarde comment il se comporte, des bons exemples, des mauvais exemples. Déjà, ça, c'est un outil, prendre des modèles, quel que soit le niveau, ça marche bien. Essayer de s'identifier. Est-ce que toi, ça te correspond? Est-ce que toi, tu aimerais être comme lui? Est-ce que ça te correspond? Ça te parle? Ça te plaît? Ça te plaît pas? Tu trouves ça bien? Tu trouves ça mal? Déjà, c'est important. L'imitation, c'est quand même, surtout chez les jeunes, ça marche très bien. C'est un outil formidable. Faire en sorte qu'ils imitent. Il n'y a rien de plus simple, on est tous passés par là, un petit, la première chose qu'il fait, un bébé, il imite pour grandir, pour progresser, on imite en jouant, et donc l'imitation, c'est top. Donc ça, s'il y a un outil que je pense vraiment que n'importe qui peut utiliser pour tout le monde, c'est de l'imiter. Après, trouver des modèles qui sont abordables, qui sont le plus proche possible auquel le sportif peut se raccrocher, en fait. Que ce soit un sportif de haut niveau ou un jeune, ça peut être un autre jeune de sa catégorie. Voilà, il faut trouver le modèle qui puisse être atteignable et qui parle au public auquel on est en train de s'adresser, en fait. Merci Malcolm. Christophe, peux-tu répondre à cette question? Donc, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour justement apprendre à tes joueurs à gérer leurs émotions? Bon, moi déjà, je parle beaucoup avec eux, j'échange beaucoup par rapport à leurs émotions, sur les briefings, déjà ce qui est important, c'est d'arriver à identifier les émotions de chacun, d'accord, en fonction de chaque joueur, parce que j'individualise aussi beaucoup, chaque joueur va avoir des émotions différentes, il y en a qui vont s'énerver parce que l'arbitre va prendre une mauvaise décision, il y en a d'autres qui vont s'énerver parce que la balle a doublé, que l'adversaire l'a pas dit, enfin bon, pour diverses raisons. Donc on essaye déjà d'identifier toutes ces émotions. Après, il faut arriver à savoir à quel moment ces émotions elles arrivent. Voilà. Quand dans le match, quand est-ce que je vais être frustré dans le match? Est-ce que c'est parce que j'ai raté deux amortis ou trois amortis d'affilée? Je m'énerve, ça, voilà. Est-ce que c'est parce que c'est une décision? Est-ce que sur l'euphorie, est-ce parce que je mène de 4 points d'avance, donc du coup, je me relâche et je commence à faire n'importe quoi. Toutes ces émotions-là, il faut arriver à savoir quand est-ce qu'elles arrivent au niveau temporel. Voilà. Et après, il faut arriver à trouver… moi, je mets en place, on en avait parlé avec Mathieu, des routines qui leur permettent, dans tel ou tel moment de match, de passer d'un état à un autre, d'un état d'énervement à un autre. Donc, si on est frustré parce qu'on a raté plusieurs balles, chaque joueur, après ça dépend de chaque joueur, mais chaque joueur va mettre sa routine en place et va trouver la routine qui lui convient. Mais voilà, le remettre arriver à un état de switch qui permet de passer d'un état d'énervement ou d'un état de frustration ou d'un état d'euphorie à un état qui permet de se reconcentrer sur la stratégie à appliquer pour gagner le prochain point, pour gagner le jeu, pour gagner le match. Voilà, donc il y a déjà ça. Et donc essayer de leur donner plein d'outils qui leur permettent pendant le match de se dire, tiens, là, sur cette situation-là, j'ai cet outil-là, tiens, que je vais le prendre dans ma boîte à outils, je vais prendre celui-là, sur l'énervement, je vais prendre l'autre outil, enfin voilà.
Donc tout ça, c'est important de parler avec eux, de les amener à identifier leurs émotions et ensuite de savoir quand s'en servir, quel outil se servir et à quel moment. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Comme l'a dit Malcolm, moi, je me sers beaucoup des émotions lors des entraînements. Très clairement, j'ai un joueur qui peut se frustrer pour telle ou telle chose parce qu'il a raté plusieurs coups, parce que son adversaire le tient. Moi, je vais encourager son adversaire pour favoriser l'état dans lequel le joueur qui va être frustré peut se retrouver, de telle sorte que les joueurs se retrouvent dans des situations, dans des moments d'entraînement, comme ils pourraient se retrouver en match. D'accord ? Ça, c'est important d'arriver à trouver ces moments qui vont peut-être leur permettre de trouver des solutions et de mettre en place justement les outils dont je parlais tout à l'heure, qu'ils devront mettre en place lors des compétitions, lors des matchs. Voilà. Alors après, ça, faut s'en servir avec parcimonie quand même, parce que on ne peut pas tout le temps être dans le pic, dans la recherche de pousser son athlète ou ses joueurs dans les émotions constamment. Mais voilà, moi, c'est vrai que je me sers pas mal de ce genre d'outils aussi. Voilà. Merci Christophe. Yann, enfin, à toi la réponse à cette question. Donc, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour aider tes athlètes à gérer leurs émotions ? La principale mise en place, c'est l'échange. Voilà, c'est faire prendre conscience de qui ils sont, de comment ils réagissent face à leurs émotions, de comment ils sont vraiment sur un cours, ou même en dehors du cours. Parce que moi, comme je t'ai dit, je fais un travail sur le terrain, mais j'aime bien qu'ils prennent conscience de qui ils sont en dehors du terrain aussi, parce que ça leur servira toujours de connaître, d'identifier les émotions et d'identifier leur façon d'être face à celle-ci. Et c'est ce que je dis, en fait, de construire une intelligence autour de l'émotion, construire une intelligence émotionnelle. Alors, tu vois, ça peut être un peu comme l'a dit Christophe, lui se sert pour des fois accentuer l'émotion du sportif. Bon, sur lui-même, créer un extrême. Moi, ce que j'aime bien des fois, c'est me servir de l'émotion que le sportif exprime et lui dire, voilà, regarde, comment l'autre réagit face à ton émotion, qu'est-ce que tu entraînes chez lui. Au lieu de t'en servir vis-à-vis de toi, sers-toi-en intelligemment vis-à-vis de l'autre. Et c'est ce dont on parlait pour notre ami McEnroe. Voilà, je pense qu'il était devenu très intelligent au niveau de ses émotions. Voilà, il avait fait une force. C'est effectivement beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de prise de conscience, c'est beaucoup de stop sur des moments où elles arrivent, où elles s'expriment, beaucoup de questionnements, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que ça a entraîné dans ton jeu juste avant, est-ce que ça s'est passé à la fin du point pendant l'échange, tu as senti venir la chose, ou quel était le moment de frustration, quel était le moment de colère, quel a été le moment d'euphorie, pourquoi là d'un coup tu es euphorique, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis après, c'est des outils au quotidien, une boussole des émotions, un diagramme d'états mentaux à travailler au quotidien, comment je passe d'un état mental à un autre, comment je peux fluctuer dans la vie au quotidien là-dessus. Et c'est plein de petits outils, mais je pense que la priorité, c'est de faire prendre conscience à l'athlète qui il est. Et puis après, c'est discuter avec lui pour vouloir faire en sorte qu'il se serve de ses émotions et qu'il ait envie d'évoluer autour de ses émotions pour être encore plus performant. Voilà. Beaucoup, comme a dit Malcolm, beaucoup sont rigides face à leur façon de réagir. Hein. J'en ai eu, il a fallu un an, deux ans. Il y en a d'autres pour qui on y est encore sur la réaction qui est induite par l'émotion et on a encore du travail, c'est long. C'est long, mais c'est souvent plus rapide quand l'athlète prend conscience qu'il peut s'en servir et qu'il a envie de changer aussi. Merci Yann. Alors, une petite question. Vous avez tous plus ou moins évoqué le fait de dialoguer avec les athlètes notamment. Et puis, j'aurais une petite question très rapide à vous poser. Essayez de répondre le plus simplement possible et le plus succinctement possible parce qu'il reste 5 minutes. C'est, est-ce que...
Est-ce qu'il vaut mieux parler avec l'athlète ou faire parler l'athlète? C'est quoi le curseur par rapport à ça pour la gestion des émotions? Donc, Yann, tu avais la parole, je te la redonne. Ah, moi, le curseur, c'est faire parler l'athlète. Hein. C'est lui qui doit s'exprimer, c'est lui qui doit mettre des mots. Nous, on est juste là pour l'aider à ressortir tout ça et l'aider à trouver des réponses adéquates. Mais c'est lui qui doit parler, c'est lui qui doit exprimer ses mots, c'est lui qui doit créer ses images qui vont lui permettre de switcher. Ce n'est pas nous qui allons être, qui allons décider de décider que cette émotion-là, bah, c'est de la nervosité, que celle-ci, c'est de l'anxiété, que celle-ci, c'est de la joie. C'est lui qui doit y mettre des mots, quoi, et des degrés. Voilà. Merci, Christophe. Oui, moi, je pense que c'est pareil. On a évidemment, en tant qu'entraîneur, une opinion sur tel ou tel comportement suite à des émotions, mais ça doit venir du joueur, ça doit venir complètement du joueur. Si c'est lui qui doit mener son projet, c'est lui qui doit mener son changement, qui doit l'acceptation des émotions, elle doit venir du joueur. Malcolm? Ouais, je suis d'accord. Après, je pense que c'est un jeu d'aller-retour, mais il faut laisser parler. La question d'acceptation, comme disait Christophe, bah, je pense que c'est hyper important, quoi. Il faut qu'ils acceptent leur émotion, il faut qu'ils s'acceptent eux, il faut qu'ils acceptent. Moi, ce que j'essaie souvent de dire, c'est que ce qu'on voit, que ce soit c'est des hauts niveaux ou pas, bah, c'est que les émotions, c'est très polarisé. Ça va très loin dans le positif, très loin dans le négatif. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit dans le débutant. Et quand on prend l'exemple, par exemple, d'un Federer, et bah, en fait, on a l'impression que ce curseur-là, il est beaucoup plus réduit plus on arrive vers le haut niveau, en fait, que la différence entre le positif et le négatif est beaucoup plus faible que chez le débutant. On a des écarts énormes, positifs, négatifs, et dans les émotions chez les débutants. Et puis, plus on va vers l'élite, plus on arrive à se gérer. En fait, c'est beaucoup plus restreint. Donc, mettre en place ce schéma et qu'on en discute ensemble, mais qu'on accepte qu'au départ, on démarre, et ben, c'est normal d'avoir des grands swings, d'avoir des grandes différences et de passer du rire aux larmes. Et que ça fait, il faut l'accepter. Il faut que ça, voilà. Et pas culpabiliser. Merci. Merci Malcolm. Mathieu, de ton côté, parler ou faire parler, c'est quoi le plus important? Le plus important, je vais rejoindre ce que les autres disent, hein, c'est faire parler, parce que c'est l'athlète qui se connaît. Si nous on parle à la place de l'athlète, on va induire, c'est-à-dire que on va court-circuiter la capacité que l'athlète il a à se connecter, et du coup, déjà on ne le responsabilise pas parce qu'on dit à sa place. On croit qu'on sait, alors qu'en fait c'est notre propre représentation de la réalité, mais c'est pas forcément sa réalité à lui. Donc du coup, on va forcément induire des choses. Ce qui est intéressant, c'est pas d'aller dans notre sens. C'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vraie version de l'athlète. Après, c'est difficile de faire parler un athlète. C'est-à-dire que il y a des athlètes qui ont vachement de mal. Enfin, des gens qui ont vachement mal à être capables de dire ce qui s'est passé, pourquoi, ce qu'ils ressentent, etc. Toute la difficulté, c'est de l'accompagner là-dedans, mais sans lui dire ce que nous, on pense qu'il ressent, quoi. Parce que l'idée, ça reste l'autonomie, la responsabilité, et que si on l'assiste comme ça, en lui disant tout le temps, bah là, tu vois, t'es en colère, machin, non, c'est effectivement plutôt à lui de venir, alors il va peut-être pas forcément dire colère tout de suite, mais il va exprimer des choses qui ressemblent à la colère. Et donc après, l'idée, c'est d'essayer de l'amener gentiment à nommer son émotion. Et ce qui est intéressant, c'est que de faire parler l'athlète, c'est qu'il va pas forcément aller directement à l'émotion, il va d'abord analyser son comportement, ses ressentis, physique, physiologique, comportementaux, cognitifs, etc. Et là, on va bien pouvoir lui faire prendre conscience que l'émotion a eu cet impact chez lui, parce que c'est lui qui l'a trouvé, c'est lui qui l'a dit. À partir du moment où c'est lui qui dit, c'est un truc qui lui appartient. Hein? Donc, c'est aussi le responsabiliser
le rendre autonome et lui faire confiance dans la capacité qu'il a à se connecter. Et donc, si nous, on lui fait confiance, il va avoir plus de facilité, lui, à se faire confiance. Hein, je vais digresser un peu, mais la confiance en soi, c'est aussi voir dans les yeux des autres la confiance qu'ils peuvent avoir en nous. Ça commence par là. Et un peu dans certains sens, quand tu dis que effectivement pour certains c'est difficile de parler, au début on va peut-être devoir parler beaucoup avec eux pour justement les amener à avoir cette autonomie d'être celui qui est le plus à l'arrivée, quoi. Ouais, mais toujours dans le questionnement. Et nous, toi tu parles, t'envoies une question, ça marche pas, tu passes par un autre côté, tu le remets en situation, et puis t'essaies de C'est un vrai travail de détective, en fait, hein, et de surtout pas court-circuiter. Merci, Mathieu. Laurent, tu seras le dernier à parler sur ce webinaire. Donc, parler ou plutôt faire parler? Forcément, faire parler, c'est l'objectif. C'est la recherche de l'autonomisation. Et donc, la gestion des émotions étant en apprentissage. Au début, effectivement, tu l'as dit, je vais peut-être beaucoup parler jusqu'à ce que, in fine, l'athlète soit capable de s'auto-analyser, quoi. Et comme l'a dit Mathieu, ça lui appartient et c'est lui qui a raison. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci à tous les participants et ceux qui ont voulu partager donc leur expérience et sujet et échanger sur la question. Je vous ai mis dans le chat, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Zoom, le lien qui vous permet de vous rediriger vers le formulaire de satisfaction par rapport à ce webinaire, donc pour tout le monde, hein, ceux qui ont été à la fois conférenciers et puis à la fois spectateurs. N'hésitez pas à prendre un petit temps pour nous répondre à ce formulaire de satisfaction, justement pour voir un peu comment on doit modifier les choses, si on doit modifier les choses. Et puis j'ai notamment une dernière question sur le sujet, c'est est-ce qu'on continue ces webinaires sur la période du mois de mai, alors qu'il y a un début de déconfinement qui est commencé? Donc n'hésitez pas à, effectivement, prendre le temps de répondre à tout ça. Je vous remercie encore tous pour votre participation et Merci. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain webinaire qui est sur le coaching entre les jeux et qui va être spécialement, pour le coup, ciblé spécial au niveau junior et senior, avec malheureusement pas de place pour ceux qui voulaient partager leur expérience, parce qu'on a déjà fait la sélection des personnes qui vont intervenir jeudi prochain. Donc exceptionnellement, il y aura les trois entraîneurs nationaux qui partageront leur expérience, Mathieu Benoît et Mehdi Renaï, qui seront là pour nous parler du coaching entre les jeux sur du haut niveau junior et senior. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Au revoir à tous. Bye bye.